bien entendu. Oui, Bernie James. Salut Céline, moi. Salut Jules, que j'avais vu plus haut également. Salut YouTube. C'est parti pour du FTL. Nos pauses en normal pour commencer. J'ai pas joué depuis 8 ans. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Le jeu est en français, hein, comme toujours. On va commencer avec le Kestrel. Ah, alors on est évidemment sur la sauvegarde qu'on avait terminée, hein, en hard, machin truc. Ah oui, on voit qu'il y a, voilà, l'interface a déjà un peu changé. Bon, on va essayer de faire tout dans l'ordre, comme ça sera plus simple à suivre. Peut-être pas. Kestrel, ah donc, oh là, ça fait bizarre. Oh, ça fait bizarre. Oh, ça fait bizarre. Incroyable. C'est le renouveau, c'est parti pour le renouveau. C'est le renouveau, c'est la MVTV 2.0. Ah oui, on peut mettre 2.0. On y est, on y est. Donc on joue en normal, parce qu'en hard no pause, je vous avoue, là, sans y avoir joué. Déjà là, on va douiller. Hein. On va douiller, on met quand même le truc. On commence avec le Gastrel A, qui a le Burst Laser 2 quand même, ça va être super cool. Mais je pense que ça va très mal se passer. Hein. Moi, je pense que ça va très mal se passer, j'ai peur. J'ai peur. Julien C, bien évidemment. On va mettre des influenceurs. On va mettre des influenceurs, la team des Juliens. Julien C. Ah oui, parce qu'il y a Julien. Il y a Julien Thierry et Julien Telouk. Alors, qui est Julien T? Mais en hard ou genre mal? Non, mais non, cassez-vous, hein. Si vous voulez voir du Captain Edition ou du Hard No Pause, eh bien, téléchargez XSplit. Téléchargez XSplit et allez-y. Moi, je suis avec vous. Moi, je suis avec vous de tout cœur. Évidemment. Et ah oui, allez, et là, on va mettre le chat. C'est le chat Twitch. C'est le chat Twitch ici, voilà, le chat Twitch, il représente, putain, mais il y a peu de profils. Ah si, il y en a un qui est rougeau. Incroyable. C'est parti. Le chat Twitch, voilà, c'est Beyoncé. Vous êtes un peu des Beyoncé. C'est le chat Twitch, on espère que le chat Twitch va survivre. Ok. Donc normalement le stream fonctionne, on n'aura pas de frame formidable. YouTube s'emmerde déjà depuis 5 minutes, cette intro est trop longue. Merci Samnissan et Zrashka. C'est parti. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, donc j'ai plus de bouton pause. Ah si, la molette souris fera toujours pause, quoi qu'il arrive. Alors ça c'est terrible. C'est quoi ça? Ah oui d'accord. Vous avez vu l'interface, il y a des petites icônes en plus. Ça a un peu changé, voilà. Alors faut pas que je fasse molette de souris, sinon je triche. Putain. Ça commence. Alors il va falloir réapprendre également tous les raccourcis du jeu. Ça c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Enfin 1 et 2 pour tirer, ça c'est simple. Mais comment je fais? C'est F1, F2 pour attraper individuellement tout le monde. Couper l'oxygène, voilà. Enfin ça c'est terrible, hein. Ça c'est des choses... on en a besoin, mais ça va être démoniaque. Ah monsieur A, il y a quoi, 8 ans. Bon. Jump. Donc je vous le rappelle, hein, pour ceux qui débarquent, FTL, c'est comme Mario. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre ce layout. Alors pas de pause. Pas de pause, pas de molette. Je vais mourir en 2 secondes, hein, ça va être une VOD de 20 minutes, incroyable. Je rejette vos 3 voix, enfin après je... Ok, on va regretter cette décision. Donc on vise les armes. L'avantage c'est qu'on commence avec ce vaisseau qui est bon. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas joué en normal. D'ailleurs le fait que ce vaisseau n'ait que 7 points de vie, j'imagine, a à voir avec le fait qu'on joue en normal. Voilà, au début c'est les vacances, hein. Kestrel A, Burst Laser 2. C'est un bon vaisseau pour se remettre un petit peu dans le mood. Non, je suis seul à le faire. Ah oui d'accord, c'est des grosses offres. Mais évidemment, pour l'instant, on va grid à mort. Ça se trouve, on va nous proposer une arme absolument démoniaque. Merci username pour Supreme, et Kilimanjaro, pour 9 ans, et Super Yeti, pour 3 ans, et Drinker, pour 9 ans. Tout va bien se passer. Alors pourquoi la dernière match, je ne sais pas. En tout cas, on voit que esthétiquement, il y a des nouvelles choses. Ici aussi, hein, ça a changé, l'O2, les icônes ont changé. Alors il y a peut-être des nouveaux dialogues, parce que justement, il semblerait que... Il y a des dossiers qui aient bougé et c'est ça qui rend, incompatible le patch FR que j'allais vous mettre. Hein. J'allais vous mettre le patch FR. On s'excuse. Hein. Très bien. Ils sont en train d'essayer de s'échapper. Alors ça, c'est scandaleux. Donc on va essayer de mettre le missile sur...
Oui. Ah oui, mais il y a un drone de merde. Donc mon missile dans le cul. Dans le cul, la crémière. Donc ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais. D'autant plus que il faut au moins deux salles down. Oh, les bâtards. Ah, j'ai fait pause. Oh, il triche. Ah, j'ai trop l'habitude de faire molette. Ça compte pas, hein. De toute façon, voilà. On est déjà dans la merde. Et ça va être le reset. Ah ouais, putain. Trop habitué de la molette. Faudrait que je mette un scotch. Faut que je mette du gaffeur. Elle va mourir. Faut que je mette du gaffeur sur ma molette. Faut qu'on s'en aille. Ah bah ils s'en vont. La flotte doublée pendant un tour. On triche. Non mais j'ai débind la pause. J'ai enlevé la hotkey clavier de pause. Mais molette reste pause. Donc faudrait que j'utilise un programme tiers pour enlever la pause sur la molette. Mais je veux dire, au bout d'un moment... Est-ce que j'ai que ça à foutre? Oui. Mais le chat a failli mourir. On voit que le chat, finalement, peut compter dessus, mais jusqu'à un certain point. Jin Deswalk, 22 ans. Et oui, bien entendu, hein, là on joue FTL. Qui dit, qui sait, peut-être Tears of Legends 2 bientôt. On est en train de retourner vers le passé. Back to the past. Merci Trash Teddy Bear pour le prime. Bind ta molette pour que ça reset automatiquement. Incroyable. Enlève la molette. Ah ouais, je la dépiote. N'oubliez pas votre serviette. Merci pour le subprime. Bon, en tout cas, voilà, du coup, c'est génial. On perd un saut vu que la poursuite est doublée. Mais on joue en normal. Alors, je veux dire, si on joue en normal, il peut rien se passer. Même s'il fait longtemps qu'on n'a pas joué. Merde. Réparer, non. On va remettre nos armes en ligne, pourquoi pas. Tellement habitué à la molette. Prends une souris sans molette. Non, et même la souris que j'ai achetée au Monoprix, c'est une molette. Hein. Je ne peux pas employer le concubin, car il me manque un. Mais on va l'attaquer et on va mourir. Quoi, mind control? Mais on est en normal ou merde? Cessez! Il a un flac, mind control, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries au bout d'un moment? Retournez à vos postes. C'est pas retourner à vos postes, c'est ça. C'est pénible cette histoire. On envoie tout, hein, l'Artemis, machin. Ouais, une bonne chose de fait. Allez, j'enlève le lance-missile. Oh, ça va être pénible, hein. Ouais, bon, je vais enlever le mind control parce que ça m'a saoulé. Oui! Ma bite est insolent, bien entendu. Ma bite est insolent, on va soigner tout le monde, incroyable. Ah merde, ah oui, non, c'est là. Putain, c'est nouveau. Ok, ma bite. Incroyable, nous avons un Zoltan. Je vous rappelle, les Zoltans, moins de vie. 70 points de vie au lieu de 100. Mais ils alimentent le vaisseau d'un d'énergie. Ils sont infusés d'énergie. Merci à Azot03 pour le subprime. Et autre Mia pour le resub. Ok, donc on a besoin de soigner également. Mais pas le Zoltan. Très bien. Le Zoltan qui va d'ailleurs aller au bouclier, comme quoi tout est prévu. Un deuxième Zoltan et on serait immunisé bien évidemment contre le premier tir de Yon. C'est ce qu'on veut. On sauvegarde évidemment le placement. Ok, appel de détresse, magasin. Appel de détresse first. On n'a pas à récupérer beaucoup d'argent, mais ce Zoltan fait plaisir. J'ai pas de clone bay, donc je ne vais pas faire l'événement où nous nous faisons attaquer par des araignées aliens géantes de l'espace. Grande chance de mourir. Pour l'instant, ce secteur est dégueulasse. Hein. Alors que c'est l'attaque du soleil. J'ai que 4 missiles, donc je vais essayer de sauvegarder, sauver quelques missiles conservés. C'est la merde. On retrouve ouais, évidemment des thèmes musicaux très forts du jeu. Oh, mami, c'est la merde. Pourquoi il n'y a pas l'oxygène? Mami, c'est la merde. Qu'est-ce qui se passe? Oui, d'accord, le soleil. Il est mort, le soleil. Ils sont en train de charger le FTL, mais non, vu que maintenant ils ont deux salles down, ils ne s'occupent plus de ça. Par contre, c'est le feu, hein. C'est le feu. Donc je vais passer au magasin. Comme ça on va s'occuper de ce feu tranquillement. C'est le feu. Oh, ça m'ennuie. C'est le feu. Non mais non.
Mais connard. Non mais là, si ça manque d'oxygène, ça va arrêter avant que ma caméra, voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, je gère la fougère. Ah oui, mais j'ai tellement envie d'appuyer sur cette molette, faut pas que j'appuie sur cette molette, ça fait pause et c'est tricherie. Voilà, tant de gens, salutations. Hein. Pourtant, c'est FTL, hein, vous le savez, c'est le jeu de l'emmerdement. Mais le jeu de la bonne musique. C'est un bon jeu pour poser sa pêche. La musique est forte. Quand la musique est forte. Alors, c'est marrant, sur XSplit, j'ai beau monter le micro à fond, il est à. Donc, je vais encore le monter. Allô ? Bonsoir. Ça ? Allô ? Très bien. Au secours. Très bien. C'est bon, tout est en place. Oh non, 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 non. Alors ça c'est pas cool. Ça, le boarding, c'est ce qui va nous faire chier. Non, je peux pas. Un petit bâtard. Un clodo d'espace. Fallait que je ferme pour qu'ils viennent. Voilà. Ils vont aller là parce que c'est le seul endroit safe. Pas du tout. Si, peut-être. Si, arrêtez de toucher à mes trucs. Arrêtez de toucher à mes trucs. Ils ont quand même niqué mes armes, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Dans quel monde vit-on? Ok, il faut. C'est quoi la hotkeys pour les portes? C'est quoi la hotkeys pour les portes? Putain, quel con. Je connais pas la hotkeys pour les portes. Faut que j'apprenne la hotkeys pour les portes. La hotkeys pour les portes, c'est X. X et Z. Ok. J'ai fait de la bite. Fais de la bite. Ah, j'ai pas du tout consulté le magasin, je suis parti. Non mais vous inquiétez pas, il était trop tôt. C'était trop tôt pour s'intéresser à ce magasin. J'ai complètement oublié le magasin. Bon, vous inquiétez pas, hein, je gère. On gère. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Nos pauses, nos magasins. Tout à fait. Yo Solinder et du Max. Mais ouais, non, mais je me suis dit qu'est-ce que je vais streamer. Je me suis rendu compte que ça me faisait chier. Et le seul jeu, entre guillemets, qui illuminait mon esprit, c'est FTL, oh, quand même. Fait longtemps. Hein. Quel jeu de qualité. Je rêve ou je vais devoir dive? Je rêve ou je suis le roi des connards? Ne répondez pas. Je crois qu'on va devoir, hélas, dive pour la sortie du premier secteur. Oui. D'accord, nous aurons une quête au prochain secteur. Et c'est bien ça, je vais devoir dive. Je suis vraiment le roi des connards. On pourrait faire ce saut, hein, du coup, vu que de toute façon, on est condamné à s'emmerder. La boule magique. Ah, la Mintos TV qui nous host. Hommage à la Mintos TV. Alors, j'ai vu un clip de la Mintos TV, là, déchirant un Mintos qui joue à des jeux d'horreur. Oh non, ça brûle. Quelle vie de merde, quelle vie de merde. Ok. Ok. Ça brûle. J'aimerais bien savoir où. Ah. Ah. Au secours. Je suis plus habitué, moi. Bon, allons là, au moins on sera tranquille. Bon, qu'est-ce qui se passe? Oui, on s'emmerde, très bien. Je comprends ce qui se passe. Oh non, là je sens que ça va très mal se passer. Hein. Je sens que je suis pas prêt. Hein. On n'a pas joué depuis trop longtemps. Et là donc, dive, donc ennemi trop fort. Ah mais en normal, il n'y a pas le anti-chip batterie ou si? Est-ce qu'on a le ASB? Danger. Mais on est dans une nébuleuse de toute façon, donc c'est juste on s'emmerde. Albert Bim, d'accord. On va essayer de régler ce problème. On est en train de se faire attaquer. Très bien. Il est tout seul? Visiblement. Hein. Arrête de lancer missiles. Ok. Ne vous inquiétez pas, je gère. Ou pas.
On va essayer de conserver ce missile. Voilà, tant que le Albert Beam n'est pas chargé, je pense que je vais pouvoir jump avant que le Albert Beam le soit. Et il faut pas que je mette pause, putain, alors ça. Hein. Prochain secteur, Rock ou Zoltan. Allez, Rock, on est des ouf. L'hostilité. Bonjour. Un magasin. En effet, le magasin serait le bon choix, mais on a... On va faire truc de merde. Magasin des tresquettes. Quelle est votre offre? Oui, j'accepte de sauver un magasin dans le tourment. Encore toujours plus de quêtes. Ah oui, mais du coup, on sait qu'on a un magasin là-bas. Est-ce qu'on fait quand même le magasin ou est-ce qu'on est des cons? Deuxième bouclier, on est en normal. Un vaisseau sans forme de vie près d'un champ d'astéroïdes très vaste et très dense envoie un appel de détresse. Est-ce que nous allons enquêter? Cela pourrait être dangereux. Oui, bien sûr. Ah, très bien. C'est la quête. Un drone anti-combat et de l'argent? Merci. On pourrait peut-être commencer à penser à upgrader notre vaisseau. C'est vrai qu'on joue, sans pause, donc on a envie de se chier dessus. J'ai envie de manière constante. On est assez constant sur le chiage dessus. Donc on pourrait mettre le deuxième bouclier tout de suite et se dire qu'au moins c'est ça, c'est fait. Mais en même temps, je veux dire, si on nous propose, je ne sais pas, bon, un weapon impregnator. C'est bon, hein, on sera safe, la map là elle est bien, pour une fois c'est une bonne map, dommage il n'y a pas de... Il n'y a pas de nébuleuse, mais bon. Nous trouvons un vaisseau marchand Rock désactivé, flottant près de cette balise. Nous pourrions évidemment, eh bien oui, le défoncer, le dépecer, mais on ne sait pas pourquoi il est là, hein. Oui, d'accord. Ah bah voilà, parfait. Incroyable, merci Redry pour les 25 ans, merci AZ. Pour le sub Freelander Broyax, pour les Risaplins également. Je suis riche. Alors est-ce que je prends la quête tout de suite? Est-ce qu'au bout d'un moment j'arrête de faire de la merde? Ou est-ce qu'on se dit on a quand même le temps de voyager? Voyager c'est bien. Ah j'ai que 3 d'essence. Un soleil. Des intrus. Au secours! Ah oui, mais pendant ce temps-là, moi, je charge pas mon FTL. On m'appelle le roi des connards dans le milieu. J'ai pas envie qu'il meure, là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? En plus, j'ai plus d'oxygène, du coup. Oh là là, mon dieu. Il faut que je reste calme, On n'a pas un magasin dans le coin, absolument pas. Très bien, mais non, parce que ça va être une badale, il faut sauver le magasin. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi c'est ouvert là? Pourquoi ça fait ça? Je veux m'en aller! Magasin. Burst Laser 3, Automated Reloader. Des sbires. Très bien. Faudrait que ça cesse. Et du coup, il va falloir s'occuper de ce fâcheux. Cette histoire d'oxygène, n'est-ce pas? Allez! Allez, on se donne. Je te donne. Ouh, je te donne. Donne-moi l'oxygène, je te donne tout mon oxygène. C'est bon. Avec brio, j'ai envie de dire. Ah non, mais je suis pas habitué là. Oh là là, là. Pff, oh, le micro, ça va être zéro. Hein. Ça va être dégueulasse. Hein. The micro management. Merci Vlad, 34 ans. Balarocard, 13 ans. Daglands, ce barman.
Donc oui, un magasin, cette fois-ci on va peut-être le consulter, hein. Même si on sait qu'on va sauver un magasin derrière. Mais j'ai besoin d'essence, on a là également la bombe à ion. Ni na ni ni nou nou. On nous propose pas un système de drone. On aurait pu éventuellement le prendre avec un défense 1 et l'anti-drone. Ce serait un peu les vacances d'avoir des drones en oppose. En général, en oppose, on va éviter la téléportation. Parce que c'est bien plan cul sans pause de devoir micromanage la TP en plus. J'ai besoin d'essence, ça c'est sûr. Super d'embrouille. Me réparer éventuellement. La cure sérénité. Scrap Recovery Home. Ah oui, on a ça pour faire de l'argent. On peut acheter le Burst Laser 3, mais en vrai, on préférerait un Burst Laser de l'Ion Bomb et Glamour plutôt que l'Artemis. Mais pas obligatoire non plus. Je pense qu'on peut vendre ça tranquillement. Se prendre un Scrap Recovery Arm, se réparer juste de ça et voir. Laisser voir et éventuellement se diriger tranquillement vers le deuxième bouclier. Quête. Sachant qu'on va libérer un magasin là. Donc en fait, j'aurais peut-être dû... bon bref, ma bite. Oui ? Allez. Mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que c'était un moment de clodo ? Alors si j'avais eu, bien entendu, si j'ai eu l'intelligence de mettre un deuxième bouclier, on serait invincible. Ce n'est pas le cas. Et là, on va prendre le mini-beam si on est touché. C'est chose faite dans mon bouclier, bien sûr, heureusement. Les armes sont down. C'est une bonne chose de faite. On va juste arras avec notre burst laser, économiser les missiles, tout va bien se passer. Et donc, je crois... La finalité logique, ça serait qu'on sauve juste le magasin et qu'on ait un nouveau magasin. Mais je crois qu'on peut aussi avoir de belles récompenses, je ne sais plus. Donc oui, j'ai pris le Scrap Recovery, ce qui me permet de collecter plus de thunes, au final, à chaque fois que j'en récupère, 10%. Invincible avec la possibilité de lancer une pub pour traîner le pilote, bien entendu. Ça, c'est les meilleurs moments de FTL. Na, ni, na, nu, ni, nu, na. Voilà, ça va les occuper. Merci Sherlock FR, Dark Rocks et Arcaï 13, Moultery Sub, Deathly Shadow, Mario 62, Mielbob 33. C'est la folie, vous êtes temps. So many. Réparer de 5, 25 de ressources. Même en revendant tout, on pourrait. Dommage pour le Weapon Pre-Igniter qui nous a permis évidemment d'avoir nos armes chargées dès le début. On va prendre l'essence. Et c'est tout. On va se concentrer sur notre deuxième bouclier de manière imminente. Je pourrais le mettre direct d'ailleurs. Je vais le faire. Il nous manque l'énergie, mais au moins, voilà, si besoin, il est là. On peut même faire ça, à la limite. Essayons de fermer un peu. Trois d'essence contre trois drone parts. Non, je n'ai aucun système qui utilise des drones. On s'emmerde. On s'emmerde, on nous propose rien, on est vraiment dans une bonne mise en section. On est bien content d'avoir de boucliers dans ce genre de situation merdique. Qu'est-ce qui... Oui, tu vas là. Mais non, va dans la medbay. Oh là là. D'accord. Ah. Bon bah voilà, ils vont passer un sale quart d'heure, vous inquiétez pas. Voilà. C'est réglé, c'est un problème réglé. Si les astéroïdes veulent bien, voilà, résiste. Prouve que tu existes, mais pas tout le temps quand même. Merci. Allez, on répare l'oxygène, on va se soigner tranquillement, voilà, tout va se passer. Retour à vos postes. Et là, je ne peux pas upgrader mon vaisseau vu qu'on est en zone de danger. À cause de champ d'astéroïdes, c'est con, j'avais de quoi mettre deux barres d'énergie.
J'ai envie de dire restons frais. Et re-astéroïdes donc, et re-intrus. Et des mecs qui vont débarquer. Et ma vie c'est de la merde. Bonjour. D'accord, un Rockman. Non, venez là, mais viens là. Mais con du cul. Je me suis enlevé un bouclier, je me déteste. Mais oui, voilà, mais allez là, bande de cons. Très bien. Mais putain, je nique mes missiles depuis tout à l'heure, je faisais pas gaffe. Oh là là, je me déteste. I hate myself. Je me suis mangé. C'est bon, hein, c'est bon. Dommage pour l'autofire, mais bon, je mets l'autofire parce que. Voilà. Mais pourquoi vous êtes encore là? Mais barrez-vous! Pourquoi vous vous êtes pas retourné dans votre maudit vaisseau qui a explosé? C'est incroyable cette histoire. Alors que mon Zoltan va prendre quand même de l'expérience en combat. C'est assez rare pour être signalé. Donc bah, par pitié, voilà. Donc je peux toujours pas upgrader mon vaisseau, c'est con hein. Exit. Il est plus que temps de s'en aller madame. On va éviter de redive à nouveau. Oui, nous sommes ici, nous chargeons tranquillement pour aller au prochain secteur. Nous trouvons... Oh ! Sainte merde ! Une arme flotte dans l'espace ! Le Hull Smasher Laser Mark 2, donc les armes Hull, les armes à coque, évidemment, font deux fois plus de dégâts quand elles touchent des salles vides. Qu'est-ce que ça nous raconte ça, le laser 2 ? Ça demande 3, c'est cher. C'est 15 secondes de chargement, c'est plus que notre Burst Laser Mark 2, donc la synergie, mon cul. Ça tire 3 fois cependant, donc ça peut faire 6 de dégâts hein, potentiellement si on ouvre avant et en touchant. En tout cas, ça vaut cher à mon avis, et pouvoir revendre ça pour acheter... Burst Laser 2 par exemple. Ça pourrait être sympathique, hein, n'est-ce pas? Tellement magique. Allez, allons chez les NG, ils ont moult magasins. Et vu qu'on a 4 d'essence, ça peut être un peu plus tranquille que les nébuleuses où des fois on tourne à l'infini, on trouve rien du tout et c'est dégueulasse. Merci Kyo Kitsune-sama pour les 1500 bitcoins. Merci beaucoup Sir John Baker, Prostats, Monsieur Marcadet, Kiri Sub, 32 ans Monsieur Marcadet, Minotop qui sub, merci Granola Jarod Sand. Jarod San qui resub Snow Snack, qui subprime Master Patate. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le plan pour l'instant? C'est le vide intersidéral. C'est dégueulasse ce layout. On peut arriver à la sortie de là ou de là. Dégueulasse. C'est dégueulasse, madame. Alors, on veut de l'énergie, ça c'est sûr. Ça, on peut faire ça. Ouais, on peut faire ça sans. Ah, quoi que je l'ai. Non, mais si. Ça sera jamais perdu. Alors, j'ai pas envie forcément de mettre le laser. Pour l'instant, le Burst Laser 2. Oh, c'est parfait ça. Le Burst Laser 2 devrait faire le taf. Le magasin, du coup, est assez inutile. Tout à fait. Alors, nous suivons la balise de détresse et nous arrivons vers une petite ceinture d'astéroïdes. Nous trouvons un petit vaisseau qui galère, eh bien oui, à passer à travers ce champ. Oui, je vais vous aider. Hélas, je n'ai pas de choix bleu, je n'ai pas de quoi que ce soit qui me permette évidemment de passer tout ça sans heurts. Ne vous inquiétez pas, je vais protéger votre vaisseau avec le mien. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Ah! Vous tentez votre mieux, mais hélas, un rocher dissident touche leur structure clé. Et donc ce vaisseau explose sous nos yeux. Nous récupérons ce que nous pouvons avant de partir et nous essayons de ne pas passer à, de pas penser à tous ces cadavres morts à cause de nous. Très bien. Merci Jawamat pour le Prime, Vodom, Emelnik, Levning pour les subs, Waterfrag également. Allez, voyageons. Pour essayer d'optimiser un petit peu cette merde. Ah ! Nous arrivons près d'une colonie minière. Ok, une salutation. Oui, nos stocks d'explosifs, hélas, se sont épuisés.
depuis que les rebelles ont effectué un blocage, un barrage sur ce système, est-ce que vous avez des explosifs ? Non mais écoutez, ne vous inquiétez pas, je vais même, grâce à mon missile Artemis, résoudre votre problème. Paf. Oui, j'aime beaucoup votre enthousiasme, mais nous avons certains protocoles concernant l'utilisation des explosifs ici. Utiliser une arme militaire sur nos mines ne serait pas vraiment protocolaire. Ah non, mais 5 missiles, c'est de la bite en bois. It's too much, too much. J'ai gardé mes missiles. Hein. Allez. Encore les aliens, les araignées aliens géantes de l'espace. Je peux pas, j'ai pas de clone base, ça m'énerve. Oh, c'est terrible. Merci Mythmitus pour le subprime et Doudom 07 alors qu'un énième putain de soleil. La seule bonne nouvelle. Ah oui, deux boucliers. Oh là là. Sale histoire. J'ai quand même essayé de toucher les boucliers avec mon lance-missile. Ça les occupera et ça sera un peu moins pénible. Ok, chose faite. Je pense qu'on va se permettre d'en balancer un deuxième. Mais il faut vraiment que les... Oh là là, il répare tellement vite. Il y a un NJ dans cette histoire. Mais non, ça doit être que... Oh là là, oh la sale histoire de merde. Tout dépend de ce que fait le feu chez eux. Moi, j'ai des portes niveau 1, donc le feu, ça peut être un scandale. Ça s'en sort pas si mal. Ok. Ok, ça fait qu'on n'est pas obligé de fuir encore. J'ai tenté ça, c'est un peu greedy, mais si on fait tomber le bouclier, on sera content. On est content. C'est de s'échapper, mais non. Ne faites pas ça. Merci. Bon, c'est trop faible, c'est trop peu. Le feu les a achevés. Très bien, merci. On vide là, on s'en sort pas si mal. On verra plus tard pour la suite. J'aurais pu rester, j'aurais dû rester. Le temps que le feu se dissipe. Ce qui semblait être au préalable une simple nébuleuse est en fait remplie de beaucoup de débris provenant d'un échange brutal entre plusieurs vaisseaux. Oui, les épaves dérivent sur vos écrans, n'est-ce pas ? Et rebondissent et s'explosent dans les profondeurs de la nébuleuse et disparaissent. Il est difficile de déterminer qui étaient les combattants sans enquêter de plus près. Oui. Mind control ? Salbait. Ok. Burst laser 2, Salbait. Hein. Pourquoi ? Merde, j'ai fait pause. C'est bon, ça compte pas. C'est bon, le deuxième bouclier va revenir. J'ai fait pause mais j'ai rien fait, donc j'ai envie de dire calmez-vous, respectez. Respectez les mères. J'ai mal. Oh non. Non. Ça c'est le mauvais réflexe de la molette. Hein. Je suis désolé, c'est le réflexe de la molette. Il a deux boucliers. Oh mais Saras Bulba. Saras Bulba. Non mais faudrait que je désactive ma molette, mais honnêtement, est-ce qu'on en est là, hein ? Est-ce qu'on en est vraiment là ? J'aimerais qu'on reste sur ce rapport de confiance. Ok, c'est cool. Le burst laser 2 qui tombe, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Je vais faire ça. C'est greedy, mais j'ai envie de poncer à des missiles, donc ouais, on va se concentrer sur le bouclier. Voilà. Du coup, ça va redevenir la priorité pour eux, et je crois qu'on peut rester là-dessus, vu que les armes sont down après tout. Bordel de merde. On va rester là pour prendre l'XP et on va tranquillement après peut même se soigner. Très bien. Tout va bien se passer. Merci à Terine Feob pour les 5 ans. Julian Gmur pour les 2 ans. Kruk pour les 5 ans. Doudom 07. Incroyable. Oui, je l'avais dit. Merci. 100 balles, 100 balles ou je remballe, c'est pas mal. Alors normalement dans les secteurs NG il y a 3 magasins. Il serait sympathique de croiser ce fameux magasin. Si je veux avoir le plus de visuel, il faudrait que j'aille directement là. Ah oui, et putain oui, la sortie elle est assez à gauche. Ouais, donc en fait j'ai pas trop le choix. J'aimerais bien mettre une deuxième arme, mais pas le laser 2. Nous recevons un appel de détresse qui provient d'un vaisseau NG proche. Oui, aide requise, danger présent, destruction imminente. Oui, d'accord.
C'est un maudit Mantis. Allez, on va utiliser un Artemis pour essayer de faire tomber un bouclier. Ensuite, on a vraiment envie de faire tomber sous charge laser 2 parce que si on voit les 4, on sera pas content. Merci. Alors, souvent dans ces configurations de Mantis de con, on sait pas pourquoi, hein, mais il y a souvent un NG. Quoique là, ça a l'air de galérer pour réparer, donc peut-être qu'on a affaire à deux Mantis à ce moment-là. On est tranquille. Ouais. Se remettre dans le jus pour Into the Breach. Alors oui et non, parce qu'Into the Breach n'aura rien à voir pour le coup avec FTL. Hein. Même si ce sont les mêmes développeurs. Mais j'ai regardé une vidéo qui montrait les 10 premières minutes d'une partie. Et ça a l'air cool, ouais. Ça a l'air pas mal du tout. Hein. Merci à GGCO, Abraxar. Ah, peut-être double récompense, donc oui. Les Mantis explosés nous offrent 3d100, enfin nous procurent 3d100, un missile, 22 de scrap. 22 plus 2, du coup, grâce à mon scrap recovery arm. Et les NG? Ah, oui, merci, gratitude. Ils avaient 86,2% de chance de décéder sans aide. Est-ce qu'on demande... Alors, si je demande des weapons, je vais juste avoir des missiles? J'oublie à chaque fois. Hein. Ou peut-être une arme. De toute façon, l'essence, on s'en fout. Les drones... Ah si, non, mais oui, c'est clairement une arme. C'est une véritable arme. Les drones, on s'en fout. Une arme. La Firebomb. Alors, la Firebomb, c'est très drôle. Mais en vrai, nous, on veut taper. On veut tabasser. Firebomb, en fait, c'est très puissant, mais ça met beaucoup de temps à charger de souvenirs. Et c'est surtout bien sur... Ah, quoi que 15 secondes. Surtout bien quand on a des Rockman qui débarquent ou un build TP. Parce qu'on va essayer d'éviter quand même. Hein. 142 balles, en tout cas. Et voilà le magasin. Je vais être obligé de dive, par contre, si je pense magasin. Hein. Oui, c'est sûr même. On peut espérer que là, ça soit un magasin. J'ai pas envie de dive, quoi. Je pars. Quoi qu'on est en normal, faut pas que j'oublie qu'on est en normal, pas en hard, mais on joue sans pause, donc on a pas envie de se retrouver non plus dans des situations ingérables. Et nous arrivons dans ce qui semble être les restes d'un échange brutal, etc. Comme tout à l'heure, en quittant. Il n'y a rien, c'est dégueulasse. Pas de magasin, hélas. Eh, mais ça se trouve, je vais quand même me faire baiser. C'est une belle histoire. Ah ! Incroyable ! Nous obtenons un échantillon gratuit. En l'occurrence, un drone Fire, quand même. Hein. Ça coûte cher, ça, également. Nous arrivons à la balise d'Hyperso. Et nous trouvons un drone de combat. Alors, espérons qu'on ait un magasin assez vite. Mais c'est un secteur abandonné avec les Lanus. Merde. Est-ce qu'il y a un magasin? Je sais pas, mais ça serait bien. S'il y a un magasin, je suis super content. Non. Bon, j'ai plein de choses à vendre. Donc là, il faudrait peut-être commencer à se dire... essayons de rester en vie parce que on a tellement de choses. Ça serait dommage de décéder comme un caca. Moi, je propose 2 d'énergie. Les portes. Un esquive. Je suis même un petit peu économe, en vrai. Alors, si là, il y a un shop direct sur le truc de détresse, à ma bite. Le vaisseau Mantis dans ce système a l'air d'avoir une balise de détresse qui fonctionne mal. Sûrement dû à cause d'un maudit vaisseau Lanus qui sont en train de miner leur coque et leur sous-système. Il semblerait que le vaisseau Mantis ne va pas tenir bien longtemps. Attaquer le vaisseau Lanus ou laisser les Mantis décéder. Alors, j'ai peu d'espoir dans le fait que les Mantis vont me donner une récompense. Mais quoi qu'il arrive, j'aurai le loot des Lanus. Mais les Lanus, c'est dégueulasse, il y a des sous-systèmes, merde. Ça va. Juste un laser lourd, il faut qu'il synchronise avec le Halberd et que le Halberd me touche. En fait, en vrai,
Il y a peu de chance, mais sait-on jamais. On vient de créer une brèche, vous l'avez entendu, Into the Breach. Donc maintenant qu'on a fait tomber le laser lourd, le Albert Beam ne peut plus nous toucher. Et du coup, il faut vraiment qu'on tabasse le bouclier, surtout s'il y a une brèche. Comme ça, plus de bouclier, plus de problème. Le Albert, il va partir là. Voilà, parfait. Donc on est vraiment safe. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Peu de chance que le Albert se synchronise. Quoique. Meurs. Allez. Allez. 2 d'essence, 1 missile, 26 crabes. Au contact, on les mantis. Qui remercie grassement. Les mantis, finalement, ont quand même plus de race que les slugs. Faut bien l'avouer. Il faut bien l'avouer. Ah, c'est le dev salutation. Imzu, c'est un Sennheiser HMD27, si j'ai pas de bêtises. Ok. Ok. Au secours. J'ai beaucoup d'argent, est-ce qu'on... Le problème, c'est que oui, j'aimerais bien investir dans les armes. Est-ce qu'on met le L Laser 3 en ligne? S'il y a un magasin... Quoique j'en ai des choses à revendre. Hein. Allez, il synchronise mal, mais c'est vrai qu'envoyer en plus, si on touche la coque, c'est double dommage. Ça peut peut-être nous sortir de situations intolérables. J'espère que j'ai pas trouvé un magasin directement. Bonjour. Quelques vaisseaux réfugiés se préparent pour la longue aventure vers un prochain secteur. Ils expliquent comment un certain nombre de vaisseaux militaires à l'Anius les ont entourés, surpris, et ont commencé à hacker leur drive d'hypervitesse. Heureusement, les Lanius sont partis peu après avoir scanné les vaisseaux civils, les laissant un petit peu secoués. Très bien, donc rien au final. Un signal encrypté, codé de la Fédération est envoyé d'une planète proche. Allons-y. Merci pour tout l'argent. C'était une cache. On a plein de pognon. Le magasin, parce que c'est pas sûr qu'on en trouve d'autres. On a 4 d'essence. Magasin. Cloaking, Clone Bay, Hacking, Flag 2, Small Bomb. Small Bomb sûrement. Pas de laser, je suis un petit peu triste. Flag 2 en fait 21 secondes à charger, c'est ça le problème. Flag 2 c'est long, c'est terriblement long. Et j'aurais presque préféré qu'on me propose des drones. Alors le hacking c'est très fort, ça l'a toujours été. Alors je vous rappelle également que vu qu'on joue en oppose, on ne pourra pas tricher pour faire passer un drone de hack. S'il y a des drones de défense en face. Important de le signaler. Bref, de l'essence. Le fire drone et le combat, je pense que je vais m'en séparer. La foule magique. Alors que Yizhong Wen, nouveau host pour 113 viewers. Merci beaucoup, Yizhong, des bisous. Salutations tout le monde. Merci les resubs également. Rem et Bigood, Maman de Terracide, Asgardian. Jayco, Sabrax, ça... Oui. Ah, le bug du hack a été corrigé dans la mage. Ah, j'ai pas lu les patch notes, hein, pour être très honnête. Ouais, il est peu probable qu'on dise la firebomb. Et l'Artemis, en vrai, en fait, sûrement remplacer l'Artemis par la small bomb. Qui est quand même extrêmement pratique et peu cher. Réparer. J'ai même pas regardé s'il y a un autre shop, mais ouais, non, de toute façon, on l'aurait su avant. Ouais, on est secteur 4, on peut encore s'en sortir avec deux boucliers, on va essayer de la jouer comme ça. Du coup, pas de flag 2, non, pas de flag 2. Allez, on est des fous. Même si. Oulala. Nous repérons un vaisseau endommagé, stationné.
Près d'une station de Sceaux, il semblerait que les Lanus absorbent du métal de cette balise et risquent de la détruire. Ok. Avez-vous besoin d'aide? D'accord. Camouflage, lance-missile, dual laser, téléportation, merde. Burst laser 2, ah non, burst laser 2, oh là là. Ah bah non, mais pas dans mon oxygène, c'est le pire truc qui pouvait arriver, oh là 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 là, quelle ambiance. Ok, réfléchis bien. Ok, je suis mort. Non, il est mort. On a plus d'énergie, oh là là, on a plus d'oxygène, by the way. Faut que ça cesse super vite en fait. Ok, avec la brèche. Ça coûte cher mais c'est fait. Ok, il faut qu'on sauve l'oxygène assez vite. Ça va être compliqué. Hein. Ça faudrait qu'on le sauve aussi. Non, c'est bon. C'est pas sauvé. C'est mort. Très bien. Ok. Pilotage. Et on le tue en fait. Je suis con. On le tue si on met. Oh là là, j'ai mal calé le laser. Non, on n'accepte pas. Bah oui, parce que ça fait double dommage le laser. C'est pour ça que j'ai voulu. Faire le coquin et les tuer directement, c'est pas du tout le cas. Putain, il me met lance-missile en ligne, on a plus d'esquive donc bah oui, on va se le prendre, c'est sûr. C'est sûr. Mal joué. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas ce que je fais. Pourquoi je synchronise mal? Pourquoi? Bah oui, c'est parce que je mets pas pause. Pourquoi je l'ai pas mis là alors qu'on le tuait? Pourquoi ma vie c'est de la merde? Pourquoi je suis un connard? Très mal joué. Meurs. Pitié. Vous inquiétez pas, hein. C'est enfin le premier combat chaud qu'on a eu en oppose. Ça nous permet de nous remettre dans le bain, dans la convivialité évidemment qui caractérise ce chat de qualité. Prends cher, hein. Ok. Merci Laminac pour le prime et Maïchel, Isangwen 6 ans, Zubi, oui, ah bah là on s'ennuie, hein. c'est incroyable, merci Orcadium pour le resub et les gentils compliments. Quelle histoire, écris l'histoire j'ai envie de dire. On a pris cher. Ok. Pas de cloaking, pas de mind control, pas de hacking. On a un Albert Beam, pas glop. Et un duel laser, pas glop. D'accord. Si on fait tomber l'un des deux. Ah oui, mais il y a le Yon Pulse. Oh là là, Yves Kelvy. Bonjour. Voilà, alors vu que. Ah, mais c'est. Ah oui, mais mes boucliers aussi sont tombés, lol. Vu qu'il a deux systèmes qui sont down, voilà, il s'en occupe, il essaie de réparer, donc 6 d'essence, 7 missiles. Nous recevons un message du vaisseau ennemi, notre traducteur a du mal à l'interpréter. Pénitence pour du métal, nous offrons intention d'offrir. C'est pas mal, hein, c'est un bon deal. Ouais, je vais l'accepter. On a besoin d'essence toujours pour l'instant et des missiles. C'est, on va pas dire non. On était assez court. Et nos bombes, évidemment, c'est ça. Bon, alors c'est chiant là, hein, l'IMP. J'ai pas envie de débarquer dans une nouvelle bataille avec des boucliers. Oh là là, oh, c'est long. Avec des boucliers qui se rechargent. Oh là là, je déteste ma vie. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Nous questionnons un campement local et ils décrivent une flotte de vaisseaux métalliques qui collectent tous les débris, l'intégralité des débris du métal abandonné dans la région. Quand ils se sont approchés de cet élite important, les campements ont tiré quelques tirs de DCA, de dissuasion. Les Lanus sont partis malgré le fait qu'ils avaient clairement la puissance de feu pour défoncer les campements. Très bien. Des éléments de l'or.
Dégueulasse, ça. Mais putain, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde? Je dois, oh là là, je dois remonter. On va être obligé de dive en fait. Je viens de me rendre compte à quelle sauce je vais me faire manger. Des intrus. Ah, il était où? Hein, le Yuki et sa mémère alors. C'était X et Y, je crois, hein, les portes. Putain, meurs pas, meurs pas. X et Z. Ah oui. C'est bon. Le jeu de jambes, Zidane, bien sûr. Neuf de... Oh là 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 là, le missile brèche. On en a plein le cul, on en a gros. Faut tout envoyer là-dedans, hein. Ah, faut quand même que je synchronise. Oh là là. Évite ce missile, c'est tout ce que je te demande. Ok, envoie, envoie. Ah oui, ok. Non. Bah voilà. La convivialité. Trois d'essence de missile, 41 de scraps, donc 45 grâce à mon truc. Est-ce qu'il y a un magasin? Oh oui, parce que même si on dive au moins, et on n'aura même pas dive je crois, mais au moins on va pouvoir se réparer, Dieu merci, et voire même synchroniser de meilleures armes ou investir dans les drones. Ah, on peut avoir un Lanus, si c'est vrai. La batterie, drone contrôle. Ah ça par contre on a le droit de tricher, de reset pour avoir le défense 1. Ça c'est permis hein, par la communauté. Bien sûr. Ok. Le camouflage, évidemment, mais trop cher. Ah, des bisous Elton. Des bisous Elton, allez. Putain, c'est la merde. C'est de la merde. Je pense qu'il faut jouer drone défense, hein. On en prend tellement plein le cul. Même si le Lanus c'est rigolo, mais en vrai on s'en fout. La réparation 3 x 11, 33, plus ça 85 même avec... Ah ouais non, on pourra pas prendre la backup batterie, hein. Ce sera court. Sinon on investit dans le bouclier, mais putain les drones quoi. Bon. Ça l'histoire. Enfin batterie c'est chiant à gérer en oppose hein, également. Il est vrai. Tout à fait. Merci Lothartichaud, Flozierman, Chaitun, pour vous resub, Black York, Subprime, The Last French, Buffy, Orcadium, Laminac, mais vous êtes trop, je sais plus. Je sais plus où j'habite. Oh my god. Écoutez. Le drone de défense me fait de l'œil. En fait, le drone de défense peut justifier le fait de delay le troisième bouclier. C'est une réalité. Avec cure, sérénité. C'est permis. Hein, c'est permis. Ah, mais ça se trouve, ça a été patché aussi. Regardez, si je fais continue et que je vais au magasin. Ah bah non, drone de défense. Validé, hein, validé par la communauté. Ah oui, et ça aussi, ça change. Le reste ne change pas, hein. Mais donc c'est le drone qui change et les sbires qu'on nous propose. Pas les races visiblement mais les stats. Validé hein, validé bien entendu par la communauté de FTL. On a 12 drone parts, c'est typiquement ce qu'il nous faut. Alors. Ça fait beaucoup de noix ça. Quel enfer.
Voilà. Je veux pas qu'il meure. Je veux avoir de l'oxygène. Ok. Une bonne chose de faite, je pourrais utiliser la small bomb sur leur... sur leur fucking medbay, bien sûr. Non, en vrai, on va y aller à l'économie. C'est pas forcément nécessaire. J'ai essayé de s'en aller, mais bon, vu qu'on est en train de bien les pourrir, ça va poser trop de problèmes. Je vais remettre de l'oxygène un jour quand même. Puis lui, ça va l'occuper. Voilà, il est bien occupé là. Non, non, c'est trop peu. C'est trop peu. Ok. 35 de scrap, ce qui se transforme en 38. On va un petit peu. Voilà, on va aérer. Hein. On va aérer, ça sent un peu le paix. Voilà, aérons un petit peu parce que l'atmosphère se fait lourde. Un peu court en énergie également, hein. Clairement. Merci Jean-Blanc et Lims pour les subs. Nous arrivons donc à la balise de saut. Nous pourrons sauter au prochain secteur quand le FTL sera chargé. Et on nous propose d'acheter Crise, Vulvizar, un Mantis qui est bon en baston pour 29 balles. Alors écoutez, j'aime pas acheter des membres d'équipage, mais là c'est quand même moins cher que gratuit. C'est d'accord. Merde. Bienvenue à bord, Vulvizar. C'est chiant d'avoir le Mantis aux portes parce qu'on a envie que ce soit lui qui intervienne. Et donc on va le faire quitter les portes alors que voilà. C'est bien d'avoir un vulgaire humain, mais mes humains ils ont du level up quand même. Oui, le chat évidemment est déjà expérimenté en armes. Quant à Julien Thierry, Julien Telouk, il est sur le point évidemment d'avoir son niveau en moteur. Donc vu le visage va rester là ou aux caméras, peu importe. On a besoin de lui. Ok. Merci Bubuchot et Orangina Boy qui fête son siècle. Incroyable. Il est temps. Ah oui, alors attendez. C'est là où XP est supérieur à OBS. C'est que là, je vais pouvoir faire pause sur la VOD. A tout de suite, YouTube. Re-YouTube également. Putain, alors il n'y a plus de place pour Carpenter Brut à l'Olympia. Et ben merde, alors. C'est pas grave, j'irai les voir ailleurs, là. De grands souvenirs, hein, de grands souvenirs de ce pogo. Premier rang Carpenter Brut à la Cigale, 45-50 minutes de live sans mettre une piste chill, la chemise trempée au bord de l'AVC. C'était un grand moment, hein, j'avais beaucoup aimé. Mon chouchou, merci pour les 28 ans. Hilo, 8 ans. Merci pour le host BXA Kid, incroyable, merci. Et Vesper, 18 ans, des oubis. Et ça parlait également de Super Mario Odyssey. Alors oui, Super Mario Odyssey, il y a eu le patch des ballons, Luigi, là, où tout le monde troll en cachant des ballons. J'ai suivi ça de très loin. Et semblerait-il qu'il y ait eu des... pour le coup, ça a vraiment été patché. C'est quoi le Sphinx Skip et le Cheese Skip? Ils ont patché, les petits bâtards. Figurez-vous. Alors moi, je vais attendre un petit peu de voir ce qu'en fait la communauté speedrun. Parce qu'évidemment, quand il y a un nouveau patch qui sort, alors là, c'est terrible. Tout le monde se défèque dessus, se met en position latérale de sécurité et réfléchit à comment on va réorganiser les catégories. Donc j'attends de voir. Pour l'instant, je m'y intéresse qu'à moitié. Bref. Alors. Oui. De retour donc sur FTL. Sans pause en normal. Prochain secteur, c'est maintenant. Ma bite étincelant ou les civils? Écoutez, les civils avec le choix, c'est d'accord. Donc oublions pas, on a un drone de défense. Le problème, ça va être en panique, réussir à relocaliser l'énergie. On est secteur 5 avec deux boucliers seulement, mais c'est pour, et bien pour ça qu'on a un drone de défense. Ça peut, ça fera le taf du troisième bouclier si un lance-missile, et même plus encore. Au secours.
Ok. Donc, nos scanners révèlent une base minière sur une planète proche, abandonnée depuis longtemps, aucun signe de vie. Allez, pas de pognon ? Motherfuckers ! Très bien. Au secours. J'ai besoin de cash, j'ai besoin d'investir dans de l'énergie au moins. Des rebelles, un Vulcain. J'ai le droit au moins, voilà, la seule pause auquel j'ai droit, c'est celle-ci. Au début, le jeu est posé par défaut. Donc, on établit qu'on est dans la merde. Il y a donc un téléporteur, un Vulcain. Vous le savez, le Vulcain, une des armes les plus puissantes du jeu, qui va tirer un tir toutes les 12 secondes, puis les 11, puis 11 secondes, 10 secondes, 9 secondes, 8 secondes pour arriver à un tir par seconde, ce qui permet de défoncer un vaisseau à 4 boucliers. Sale ambiance. Le lance-missile, on va le gérer avec le drone de défense. Très bien, donc j'enlève ça, je mets mon drone de défense, je mets une small bomb dans le pilotage peut-être, et j'aimerais bien sauver mon oxygène si possible. On va sûrement envoyer le Mantis d'ailleurs pour remplacer le chat. J'en suis où ? Ok. Bonne chose de faite, j'espère que mon drone de défense va pas trop faire de la merde, on va échanger évidemment avec lui. Et pourquoi, oui, pourquoi j'ai fait de la merde? Ok, ils s'en vont, merci beaucoup. J'ai besoin de ça, par exemple. Faudrait que j'arrête de gaspiller des small bombs, mais évidemment, vu qu'on est en train de micro, elle a pas bien. Et c'est chiant de pas avoir deux bursts laser 2, évidemment, vu que ça ne se synchronise pas, et c'est très chiant. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ils essayent de s'en aller. Ils essayent de venir dans ma Medbay, très bon choix. Donc on veut pas qu'ils s'en aillent. Donc on va quand même casser ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Calmons-nous. Jump imminent. Non. Merci. Ah, jump imminent quand même. Il faut que je saute avant eux. Ok. Il n'y a pas eu de malus. Parce qu'évidemment, si vous voyez qu'un ennemi saute, vous avez tout intérêt à sauter avant qu'il le fasse, car de temps en temps, enfin, il y aura que des effets négatifs s'il y en a. Des effets. Typiquement, la flotte, la poursuite doublée pendant un tour. Mais c'est pas le cas ici, mais on n'a pas fait de thunes et on a gaspillé des munitions. On est super content. Et on a un magasin, mais un magasin sans thunes, c'est comme. Voilà. C'est comme un coucher de soleil sans soleil. Merci. Alors. Nous repérons un petit vaisseau rebelle à proximité. Hein. Il semblerait qu'il ait été rééquipé pour être juste un vaisseau de marchandises plutôt qu'un vaisseau de combat. Il semble vouloir éviter le contact agressif. Il semble vouloir éviter notre vaisseau tout simplement. Donnez-moi votre pognon, bâtard. Trois boucliers. Ah, ça y est, ça commence à puer la merde. Et ils essaient de s'en aller. Génial, ma vie est dégueulasse. Alors là, on a un choix à faire, il est important. Ah oui, j'ai que deux boucliers. Oh là là, on va mourir. On va mourir. Déjà, on va essayer de faire en sorte qu'il ne s'en aille pas. D'accord, donc c'est raté. Je suis obligé de toucher le bouclier pour essayer d'avoir une chance de m'en sortir. On va donc réessayer de pourrir ceci. Et là, il va falloir qu'il se passe quelque chose assez vite. Sinon, eh ben, ils sont quand même en train de s'en aller. J'adore ma vie. Bon, ça, c'est fait, il y a une brèche. Donc là, on est tranquille pendant un moment. Je vais essayer... Ah bah non, mais c'est bon, on va pouvoir bouclier. Ça coûte cher hein, ce combat, mais bon. Voilà. Voilà, alors là on a quand même pas mal endommagé le vaisseau. On risque d'être tranquille au niveau de la fuite. Ils vont sûrement mettre la priorité sur le bouclier plutôt que sur le pilotage. Et je vais enfin pouvoir arrêter de balancer tous mes missiles. J'aurais pu le tuer en balançant mon hull laser là. J'oublie toujours que mon hull laser fait double dommage sur les salles vides. Et je paye. Merci le Wen02 Chooks pour les resubs. 32 de ressources qui se transforment en plus vu avec mon truc. Et surtout, je viens de télécharger, me semble-t-il, la carte. Succession de batailles ici. Si on veut accrocher du scrap, si on part vers le distress et la bataille, c'est cool. On aura un magasin, mais on n'aura pas grand-chose d'autre. Mais ouais, ok. Euh,
Est-ce qu'on veut partir par le nord pour avoir 3 batailles et donc plus de récompenses et ensuite s'aventurer dans ce pif total pour accrocher in extremis la sortie, ou est-ce qu'on va, là en espérant qu'il y ait quelque chose, on se fait détresser ces batailles pour avoir un peu d'argent et on réévalue la situation au magasin? On va peut-être faire ça. Et peut-être s'ajouter à un saut bonus, quoique ici on aura le temps de faire un peu de la merde, mais pas trop. Ouais, vas-y. Merci Balfos pour le resub. Il n'y a rien. Allez, détresse. Plus j'ai peu d'essence, donc oui, finalement c'est le bon pif, sûrement le magasin. Nous rencontrons un vaisseau de réfugiés qui dérive dans l'espace. Il semblerait qu'il fuit l'avancée des rebelles et ils n'ont plus d'essence. Sa balise de détresse est active, mais on ne sait pas s'il y a quelqu'un à bord et leurs communications sont HS. Allez, bonjour. Vulvizar est mort. Alors que nous enquêtons sur le vaisseau, nous sommes attaqués par l'équipage devenu cannibale, rendu fou par le manque de nourriture. Et oui, ils ont commencé à se nourrir les uns des autres. Alors que nous nous bastonnons pour s'enfuir de ce merdier, un membre de votre équipage tombe sous le coup des attaquants possédés. Et nous sommes obligés de les abandonner ou bien perdre l'intégralité de notre vaisseau. Il fallait bien évidemment que je perde ma seule unité militaire. Alors... Oh là là, imbutable, mais putain, alors le truc qui va créer des boucliers Zoltan, qui m'empêchera de mettre des bombes, 3 boucliers, ma vie c'est de la merde. Ma vie c'est officiellement de la merde. Ok, qu'est-ce que je dis ? Tellement méchant. Qu'est-ce que je vous dis à part que ma vie c'est de la merde ? Oh, belle esquive. Ok, une bonne chose de faite. Allez, je gride. Je gride à mort. I need the money. Ok, la brèche. Jump imminent. Non. Oh, j'aurais pu le tuer. J'aurais dû le tuer. Que je fais la merde, c'est ça que je dois faire, c'est ça, c'est ce coup là qui aurait pu me sauver. Il manque un, faut que je le touche pour un, je veux le toucher pour un, je veux gagner, je veux pas perdre. Jump store. Ok, j'ai plus de missiles, j'ai plus d'essence, j'ai plus rien, ma vie c'est de la merde. J'ai bien aimé cette partie en oppose. Et vous, il va mourir. Oh non, mais c'est vrai que c'était une sale idée. C'est vrai que finalement, on aurait dû jouer à Céleste ou voilà, on aurait fait Isaac, quoi. Alors. Je pense que ça va très mal se passer. Allez, réparer. Pas de missile. Ah oui, c'est vrai que ça règle le problème. Quelle ambiance. Bon allez, on trouve un burst laser 2 qui flotte dans l'espace. Tellement. Vous donnez 3 d'essence, bien sûr. Jamais, bien entendu. Allez. Ainsi le Curly Power pour les 500 bitcoins. Simon de Sai, Itaril, Best of, à l'apéro. Pour les resubs, Herve Mouse, 500 bitcoins également. Pour l'ATL, merci beaucoup. Antoshilo, Balfos, ON02 qui ont resub. Allez, espérons que ça soit une cache. Encore une fois, nous repérons un signal codé de la Fédération sur une planète proche. Allons-y, voyons voir. Oui, merci. J'ai le temps de faire ça ou pas? Si je fais ça, mon prochain saut pour aller là, ça sera là. Prochain saut pour aller là, ça sera là. Ça sent la baisse quand même, hein.
magique. Pour la sortie, oui, ça pue la baise. Smells like baise. Me semble. Si je vais là, quand je vais sauter là, ça va avancer de la même distance. Ensuite, quand je vais vouloir aller là, ça va encore avancer de la même distance. Là, ça serait safe, mais au moment où je vais partir à la sortie, ça sera dégueulasse. Donc non. Merci Jay Deep Throat pour le Prime. Touibur, 4 ans. Drone d'intrusion ion, c'est très puissant. Ça coûte trop cher, ça vaut de l'argent. Et dont le civil. C'est un vaisseau contrôlé par intelligence artificielle qui a un lance-missile et un mind control. Est-ce qu'on pourrait demander à ce monsieur d'arrêter de me courir? Merci drone de défense d'avoir fait de la merde en marquette. Sale ambiance. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Stop. Ok, on va se faire ça bien. Le mind control, ça va me saouler, je pense. Mais bon. C'est pas l'urgence. Oui, c'est bon. Laissons le Zoltan s'éclater, y'a plus d'armes, c'est pas grave. Tant qu'il me fait pas perdre de points de coque. Oui, je prendrai le ion lourd. Alors le ion lourd, c'est un peu dégueulasse, mais c'est cool, hein. Donc le capitaine qu'on a sauvé nous propose de l'installer sur notre vaisseau. Le ion lourd, c'est 2 de dégâts d'ion, donc c'est forcément au moins un bouclier qui tombe. Et ça tire tous les 13 secondes, mais bon voilà, c'est un seul tir qui peut être esquivé et ça coûte 2 d'énergie, c'est dégueulasse. Mais vu qu'on a plus de missiles, c'est sûrement... on n'a pas trop le choix, quoi. Alors 100 d'énergie, c'est également le troisième bouclier. Attendons, faisons cela, sait-on jamais, un peu de moule. A little bit of muscle. Merci Zoé Olias pour le subprime et Hypnosie, 25 ans, plus de 2 siècles. Tout à fait. Ben voilà. Merci pour l'argent. Du coup, on va attendre d'aller au secteur civil et voir si on n'a pas un magasin dès le début. Ce qui pourrait peut-être sauver ce run. Absolument pas. Moult nébuleuse, par contre, de quoi essayer de farmer un maximum, mais j'ai 6 d'essence. Ça, l'histoire. Ma vie, c'est de la merde. Merci à Wattigiz 972 pour le subprime. La boule magique. J'ai mal à mon moi. J'ai très très mal à mon moi. Ça, c'est 120 hein, pour mettre barre d'énergie plus arme. 100 donc pour le troisième bouclier. Bon, mon seul souci, c'est que le troisième bouclier, on peut difficilement passer outre hein, de toute façon. Mais là, avec juste burst laser et laser, compliqué. Hein. Rien. Et là, le magasin, ma vie, c'est... Oui, tout à fait, ma vie c'est de la merde. Alors, c'est pas grave. Explorons. Merci Paléaoyes pour le Prime. Ok. Drone de défense, par pitié. Écoutons, essayez. J'ai 3 boucliers, donc on va la jouer à la bien, cousin. On va essayer de tamponner son bouclier à donf et puis peut-être de le tuer avec les lasers. Alors que c'est le drame. Alors que ma vie, évidemment une fois de plus. Oh putain. Ok, barrez-vous. Abandon ship et les armes.
Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi il a visé le bouclier? Oh non, là. Non, j'ai fait pause. Désolé, j'ai triché. La mémoire. La boule magique. Ok, essayons de nous calmer. Va falloir faire quelque chose, hein. J'ai plus d'armes. C'est officiel, j'ai plus d'armes. Merci. Vite. Le drone de défense va falloir faire ton taf, hein. Je te spoil. Ça tient. Ah, mais le lion est de retour. Donc maintenant, c'est la merde. C'est officiellement la merde. Faut que j'ai de l'esquive, hein, quand même, au bout d'un moment. Oh, dommage. Ok. Stop. Ouais, non, mais ça va être pénible. On est bien d'accord que ça va être chiant. J'ai combien de... Ah oui, j'ai peu de... Ah oui, d'accord. Ok. La boule magique. Mais pourquoi les boucliers... Ah oui, ma bite. Merci. Donc ils essaient de s'en aller, super. Non, s'ils s'en vont là, putain, oh là là. S'ils s'en vont, je suis vraiment au bout là. C'est la fin du voyage. Châtelet Léa. Ennemi FTL delayed. Ah, ils essaient de réparer leur vaisseau, merci. Je peux les tuer là, non? Allez, tuons-les. Non. Tuons-les. Oui, double dommage sur les salles vides, n'oublions pas. 51 de ressources. Double récompense avec le campement qui me récompense. J'ai 4 points de vie. Il est plus que temps d'aller au magasin, tout notre argent va nous servir à nous réparer. Super. Ah, très bien. Bah c'est encore mieux, comme ça on va pouvoir aller faire les nébuleuses. Bonjour. Lifeform scanner, shield charge booster, cloaking, cloak by mind control, c'est très glamour, des armes. Oh, bridge 2, c'est tellement fort. Ça coûte 2, ça met un peu de temps à charger. Mais haute chance de créer une brèche, ça fait très mal à ceux qui sont à l'intérieur et ça fait 3 de dégâts au système. Certes, pas de dégâts de coque, mais c'est très très fort. Le ion intrudeur, on va le vendre, jamais on aura besoin. Le drone anti-drone, on peut peut-être le garder. Le heavy ion, on peut peut-être virer heavy ion, small bomb, mais est-ce qu'on a envie d'investir encore? C'est pas sûr. En tout cas, il va falloir nous réparer. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va le faire. Ouais, c'est de la bite. C'est de la full bite. Bon, je pense que le heavy ion. Le heavy ion, c'est 0. Il nous faut de meilleures armes. Small bomb, c'est pas si fou, mais c'est économique. Et on a que 3 missiles. Il est vrai, vous l'avez remarqué, acheter des missiles, c'est cher. Bridge 2. Mais Bridge 2 pourrait nous sauver une game. Bridge 2, ça peut faire tomber 2 boucliers d'un coup. C'est pas dingue. Hein. On est dans une situation légèrement pas dingue. Faudrait vraiment que je trouve un Burst Laser 2 avant la fin. Donc je peux pas la mettre en ligne, hein. C'est ça qui est génial. Là on l'achète juste pour dire qu'on l'a fait. C'est mon cadeau à ma communauté. Barrons-nous. Espérons que les... J'ai pris de l'essence parce que dans les nébuleuses, ça se trouve, on va rien trouver, on va se faire chier et ça sera un gâchis absolu de temps. Qu'est-ce qui s'est passé avec tous les primes? Tout le monde a claqué son prime. Merci Casilienne pour le resub, merci Paléa OIS pour le subprime, Elmanitar 9 ans, Tranmei qui subprime, Abri 1509 qui prime également, et Boom Shagala 20 ans déjà, et Superworth 19 ans. Nous rencontrons un vaisseau réfugié. Alors oui, non, c'est quoi? Non, ça peut pas être les cannibales. C'est pas les cannibales parce que là on débarque pas dedans, on dit salut.
Et puis éventuellement, il y aura Baston. Merci Anaconda 703 pour le Prime et Flash. S09 et Crium pour le Prime. Et RN 10-17 ans, déjà. Hail them. Et Railtar qui se prime. Tout le monde a du Prime. Tout le monde claque son Prime. Quand on arrive dans le club, tout le monde claque son Prime. Bonjour. Alors que nous allons le vaisseau réfugié, un vaisseau Zoltan, oui, arrive soudainement dans le système. Il clame que les réfugiés sont des criminels et vous accuse d'être d'escorter ces fugitifs. Avant qu'on ait quelconque occasion de répondre, il coupe les communications et charge ses armes. Connard. Merci The Man Who Loves 13 pour les 4 ans, The Curly Power qui sub à 10 balles ou joue en balle, Arrow Slash qui resub, Reltar, Crium, Flash S09, donc Prime, c'est la folie, Takezo qui Prime, incroyable, tout le monde a trouvé le bouton, et Flo qui resub. Bon bah allons-y hein. Alors Brèche 2 ferait un carnage sur ce Mouquet Zoltan, mais bon ce qui est sûr là, oh là là, j'ai presque... Oh, si seulement j'avais de quoi balancer mon anti-drone, j'aurais dû mettre un troisième point dans les drones, ça je pouvais le faire. Il faut absolument pas que ce Fire Beam commence à foutre la merde chez moi. On est dans le caca. Allez, c'est bon, il n'y a plus de ça déjà. Non mais par contre, mes putains et... Oh mais putain, mais quel enculé. Vite! Ouh! Ouh! Au secours! La brèche. Toujours ça de prix. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, si le drone de défense fait un peu son taf, ça commence à sentir bon. Super. Quoique si les 3 breaches, si les 3 bursts laser 2 passent, je peux le tuer avec le laser 2 sur les coques. On va peut-être tenter ça, c'est un peu YOLO. C'est un peu YOLO. 2, 3, que dalle. Ok, il lui reste 4 de vie. Tant que le drone de défense fait staff, tant qu'on arrive dans le club, hein, le laser est de retour. Tant pis, je tente, hein. Je regrette tes choix. Je regrette tes choix. Je regrette tes choix. Je regrette tes choix. Tous les yeux sont sur nous. J'aurais dû faire tomber le bouclier une fois de plus. Je me déteste. Il a plus de missiles. Oh, la belle prise. Il a plus de missiles. Ok. Il a plus de missiles. Oh, la belle prise. Non, vite, 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 vite. On n'aura pas pris le feu une seule fois. C'est beau, hein. Le vaisseau Zoltan explose. Nous récupérons ce qu'on peut. 3 d'essence, un drone, 41, c'est formidable. 41 qui vont se transformer en plus en 45. Le vaisseau des réfugiés vous remercie pour votre aide en geste de bonne foi. Et voyant aussi avec quelle efficacité vous avez défoncé le vaisseau ennemi, il vous offre ce qu'il leur reste. 2 missiles, 1 drone, 23 de ressources. Nous sommes à 120. Nous avons un deuxième appel de détresse avant les nébuleuses. Holy crap! Merci Takezo pour le Prime. Donc, oui, Flo, Rix, Tula pour les resubs. À qui le sache, Grim, 5 ans. Duaner, 8 ans. Warlock, 7 ans. Et The Curly Power qui offre un sub à Insulin Factor. Ok. Oui, alors on veut mettre ce Brèche 2 en ligne, on veut le troisième point en drone. C'est clairement ce qu'on veut. On aimerait bien de l'énergie par contre aussi, mais pour l'instant on va se débrouiller avec ça. Nous trouvons la source de l'appel de détresse, une petite station de recherche. Il semblerait qu'un petit feu de laboratoire soit devenu incontrôlable et menace de détruire l'intégralité de la station. Leur système anti-incendie ne répond plus. Envoyez votre équipage dans un shuttle pour éteindre le feu. Alors, pour moi, de souvenir, la réponse 2, la réponse D, atterrir et essayer de sauver les survivants, ne pouvait pas tuer quelqu'un
Mais en fait, si, parce que je crois que la dernière fois, j'avais dit ça et on s'était fait full baiser. True story, bro. Merci Elchan pour les 10 ans, Bandicoot pour les 6 ans, Julian Twitch 5 ans, Mylanderp 5 ans également. S'il y a des Rockman, oui, c'est, on aurait une réponse bleue, qui est en général sans risque. Oui, non, voilà, souvent c'est ça. C'est on prend du dégât et du feu, mais on prend les 27 scrap, j'accepte. On est en bonne santé, et je vais pouvoir investir dans l'énergie. Ok. Ok, brah. En tout cas, c'est de l'énergie, c'est sûr. Allez, on met le brèche 2 en ligne, 5 missiles, hein. C'est pas fou, mais bon. Merci Ranjai pour le Supreme, alors que nous avons Nébuleuse et Tempête de Yon. Mais on a des ressources et c'est juste, juste. Une agro. Ils ont eu la bonne. C'est bon. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Mais qu'est-ce qu'il est con? Voilà. Pourquoi c'est le Zoltan qui se fait attaquer? Ne meurs pas le Zoltan. Oh là là, il a un PEV. Le Zoltan, il a un PEV, jure-le. Oh my god. Mais bouge, qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il me l'enlève? L'oxygène, pourquoi il n'y a pas l'oxygène? Il va mourir. Ouais, il est mort. Il est mort, full, il est mort. Génial. Ah oui, à cause de la tempête de Yon. À cause de la tempête de Yon qui m'a enlevé l'oxygène. Au secours. Merci Doggy qui offre un sub à Towel Sky. Merci Erwan X le Gaulois qui subprime également. Doggy qui offre un sub à Electron S5 également. Incroyable. Et Ranjai après. Merci Doggy. Oh là 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 là, mais quelle histoire. Et ça continue. Doggy qui offre un sub à 30 cm of Wuju. Morrigan. Des bisous Morrigan. Qui est sub également. La 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 la, quel enfer, quel enfer. C'est horrible ce qui vient de nous arriver. Ah ça y est, ça fait n'importe quoi. Très bien, Doggy qui offre un sub à Calma Robot, merci. Curly Power qui offre un sub à Hardcore Gamer. Tiki 4684, Kiri sub 4 ans, merci. Neitak 3 ans, merci beaucoup. Ok. C'est le Gift Train. Ah, ah, au secours, au secours. Secours, secours, secours. Un vaisseau de la Fédération lourdement endommagé se cache dans la nébuleuse. Sur cette balise, avant qu'on ait le temps d'effectuer un contact avec eux, ils disparaissent dans la nébuleuse. Bon bah on va essayer, mais avec pas de senseur. Eh bien oui. Ah mais finalement c'est des rebelles. Lololololol. Le fameux vaisseau dont les fédéralistes devaient... enfin ils sont... voilà. Ils essaient d'éviter ce vaisseau maudit. Alors, ah oui, alors ce qui est génial c'est que je vais devoir... putain, et je me souviens pas des hotkeys, il m'a visé la merde. Ok, il y a un drone. Il y a un drone de merde. Il y a un drone de merde, c'est... Merci le drone de défense qui fait son taf. Bonne fois. J'aurais dû mettre brèche 2. J'ai pas mis brèche 2. Merci. Ok. Ok, le lance-missile est down, donc s'il me renvoie du drone de boarding, au moins le drone de défense sera totalement focus là-dessus. On va essayer. On va essayer de conserver notre bridge 2.
On est vraiment à l'économie, hein. Le burst laser de tout seul ne nous pose aucun problème. Il nous fait même travailler l'esquive. D'autant plus qu'on est un nouveau pilote et on est bien dans la merde et on est bien vénère. Ok. Ah oui, c'est un défense 2, je me disais pourquoi il tire sur mes trucs. Parce que mine de rien, on tire 6 lasers, c'est puissant, hein. En vrai, un petit burst laser 2 en plus dans le mix, in the mix. 7 missiles, 1 drone, 23, c'est bien, mais moi je veux du scrap. I need scraps, brah. 2 missiles, 1 drone et 52 scraps qui deviennent 57, ça c'est bien. Alors que ça offre du sub à l'infini. Merci Wolfixel pour le resub et Doggy qui offre un sub à confetti, le resub à confetti. Un sub à 0,5, merci beaucoup. C'est le parrain. Alors, donc toutes les nébuleuses ici, on peut les faire gratos, vu que les nébuleuses, bien évidemment, font moins avancer la vague rebelle. Mais on a mal tout de même, hein. On a beau être matinal, on a un peu mal. Je propose de prendre énergie et esquive. Des intrus. Oh non, non. Oh là là, ils sont... Ah d'accord, ils sont... Oh non, non, les... non, non, n'explosez pas ça, n'explosez pas ça, partie tirée. Ok. Allez, boarding, ils sont en train de s'attaquer aux drones, mais dès qu'il y en a un qui va crever, ils vont lâcher les drones. Normalement, essayer de... d'aider leurs copains. Ok, cool. Cool, cool, cool. Voilà, ils essayent de venir, voilà, mais venez, non mais venez, 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 enfin viens. Pour le coup, merci Deathstrick, 23 ans, presque le deuxième siècle, Gotab, des bisous Gotab, 15 ans, Raskar Kapak, Enistov qui subprime, Colly Power qui font un sub à Free, qui t'es dessus, c'est Pickle Wreck, resub, également, Beyond. Ok. Putain mais on a que 3 Gaggio quoi, on va tellement être dans la merde, on se fait boarding, c'est game over quoi. Si on se fait board en plus d'une bataille, ça va être infernal. Infernal. J'ai pas de clone bay en plus. C'est... D'ailleurs, avec la clone bay, on n'aurait pas perdu. Ou pas comme ça, Zinedine. Ah oui, d'accord, j'ai oublié de mettre ce placement-là par défaut, voilà. Jesus Christ, the Lord. On va continuer notre marathon de nébuleuse, hein. C'est un peu greedy, mais écoutez. Il a le cloaking, d'accord. Rien sauf du cloaking, surarmé jusqu'aux dents, burst laser 3. Et surtout en train de s'en aller, ce qui me plaît guère. Et le cloaking va sûrement lui permettre de le faire, mais il a pas de bouclier. Est-ce que le burst laser 2 aura le temps de charger, c'est sûr. Oh oui, ça c'est une belle esquive. Faut qu'on esquive le burst laser 3, c'est notre chance, oui. Et on esquive la bombe, ok. Pilotage. Arme. Cloaking. Nice. Nice. Le cloaking est définitivement mort grâce au breach effectué par le breach 2. On peut donc, pour s'assurer qu'il s'en aille pas, tuer les moteurs. Enfin oui, non, j'aurais pu le tuer directement d'ailleurs avec la salle vide. Ok, indécence, un drone, 24 de ressources, c'est un peu dégueulasse. Comme récompense, faut bien l'avouer, hein. Tout de même. Merci à Starroot pour le sub. Non, c'est pas à cause. Le pilote est pas mort à cause des potes qui l'ont pas laissé rentrer. Parce qu'on peut être que 3 dans la medbay, donc le pilote, c'est normal qu'on lui fasse faire des allers-retours. Le seul souci, en fait, c'est que l'oxygène était down à cause de la tempête de Yon. J'ai pas fait gaffe et du coup, c'était le décès assuré. Triple Rex qui subprime ainsi. Je sais pas si c'est le bon choix, mais je vais tout mettre dans l'énergie. Hein. Faut. Oh là là, bah si c'est le bon choix, s'il y a une tempête de ions. Alors,
Là, par contre, on peut mourir avec le choix numéro 1, j'en suis sûr. Donc nous arrivons en plein milieu d'une tempête de plasma. Beaucoup de vaisseaux neutralisés, comment dire, errent dans les ombres. Brièvement illuminés par les éclairs. Donc le choix numéro 1, c'est de chercher manuellement les épaves pour éventuellement trouver des survivants et de l'équipement. Alors on peut trouver des gens, hein, me semble-t-il. Ou choix numéro 2, éviter le risque. Donc non, on va éviter par pitié. Par pitié, je veux vivre. Comme le chantait Faudel. Merci à Lasconi pour le reset des images. Il va falloir que je remette toute l'énergie pendant ce merdier. Deux missiles contre trois drones, non. Pas nécessaire. Un magasin, j'ai zéro thune. J'aurais pu m'en douter qu'il y avait un magasin et garder la thune. J'aurais peut-être pu avoir un burst laser. La vérité, c'est qu'on va juste farmer un maximum et s'en aller. Votre équipage regarde à travers les hublots, cherchant des hostiles, mais la tension est palpable, mais il ne se passe que dalle. Il se passe que dalle. Un vaisseau automatique rebelle avancé stationne près d'une petite station rebelle. Cependant, sans des senseurs en état de marche, il est impossible de dire ce qu'il y a à l'intérieur. La boule magique. Eh bien, je sens que je vais regretter cette décision, mais allons-y, possibilité de double récompense, c'est trop tentant. Beam 2, ion, anti-drone. Ok. Voilà, on va neutraliser le beam 2 qui pourrait découper notre vaisseau. Et je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire même sans bridge 2. Il a pas l'intention de s'en aller en plus, donc vraiment là, on va essayer de faire tomber les... Ah, la brèche dans les boucliers, magnifique. Les boucliers ne pourront jamais être réparés. Les brèches empêchent la réparation. Tout à fait. Tout à fait. On va patienter, mais ça devrait le faire. Alors que mon drone anti-drone vient de se faire exploser. LOL. Histoire d'être sûr qu'on se fasse pas baiser, je vais pas redéployer le drone. Normalement là c'est safe. Bravo, deux de tension, la brèche dans les armes, c'est fini. C'est fini, c'est beaucoup de plaisir. J'espère qu'on aura une belle double récompense, là on en a besoin, hein. Très honnêtement. Très honnêtement, ça peut être pas mal. Alors que ça continue. Drevalion, merci pour le subprime. Et Doggy qui continue à arroser visiblement. Qui paye le siècle de Déterminate. Déterminate, bien sûr. Troki qui subprime 3 ans. Merci Doggy qui offre à Paxience également et à Balta. Merci. Onizuka, 4 ans également. Stream FTL. Et de rien pour les nuits blanches. Oui, bon, bon, faudra peut-être le tuer, hein. On discute, voilà. Poète, 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 poète. Voilà, on ne peut plus louper maintenant, le pilotage est enfin down. En vrai, si j'avais laissé le bouclier up, on aurait pu faire une pause et j'aurais pu devenir master en... Bon, bon, c'est quasiment le cas. On s'en fout. On a... 58, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup de noix, ça. 58 qui deviennent 63. 24 qui vont devenir plus. Et les missiles de brèche, lance-missiles forts. Mais bon, j'aime pas trop les lance-missiles, mais oui, brèche, ça fait... c'est toutes les 22 secondes. Ça fait des brèches, ça fait surtout 4 de dégâts. En plus d'avoir une haute chance de créer une brèche, c'est très puissant. Mais on préfère rester sur Bridge 2, plus économique. Et du coup, on regrette le magasin. Oui, on le regrette. On va prendre un de ces deux sauts. Et ainsi, c'est Bayer pour les 13 ans. 48 en amont. Il y a un Burst Laser 3. Et un lance-bombe au moins. En fait, toute la problématique de ce combat,
c'est que si on nous propose un esclave, on va sûrement le prendre. Donc on va pas vraiment se battre pour l'argent, mais on a peut-être pas envie de dépenser les 32. Problématique. Je pense que je vais l'attaquer quand même. Il est hors de question que je paye. Ok, dans la même baie, Dieu merci. Mes drones, très bien. C'est chiant, mais c'est gérable. La boule magique. Ouais, Bridge 2 dans le pilotage, on est sur QLP, par contre j'ai fait de la merde. Fait de la grosse merde en effet. Ouais, ça va être pénible hein, de s'en débarrasser. Faut bien l'avouer. On va la jouer à la dégueulasse. Donc on peut plus louper, d'accord. Non mais ça pourrait cesser. Voilà, si on combat, ça va mieux se passer. Un vulgaire humain. Accepter. Ouais, en plus ils m'ont envoyé les mantis, là ça pue la merde. On va accepter un énième vulgaire humain. Les humains c'est la classe faible, hein. Ils XP deux fois plus vite, mais ils n'ont aucun très particulier. Terrible. C'est terrible ce qui nous arrive. Évidemment. C'est Amintos TV. Rendons hommage à Amintos TV qui a eu très peur hein, ce soir. Avec le jeu d'horreur. Minitris qui sub, merci beaucoup. Et MiniEmo22 qui resub. Bon alors qu'est-ce qu'on va en faire de Mintos? Mintos est donc bon au moteur. Le problème c'est qu'on a un maître en moteur. Et il est bon en réparation. Ma bite était bon en bouclier cependant. Mais est-ce qu'on veut... Oui bah tant pis. Mintos va passer aux armes. C'est d'accord. Tant pis, on reboot. Au niveau d'expérience, on est obligé de prendre la sortie. Maintenant on espère trouver un... magasin assez vite. Albert Beam, Ion Blast ou Ion Stunner, camouflage et un chain laser, on dirait. Ça l'ambiance. Allons-y. Non, un Heavy Laser de ouf. Ouh, on n'aime pas ça. Au moins, il essaie pas de s'en aller. Donc, si on ne meurt pas, on aura. Donc, il va tout envoyer en même temps, mais donc le Albert aussi. Il a un cloaking niveau 3, by the way. Mais voilà, le premier Albert est gâché. Et ça, c'est une grande nouvelle pour nous. On va essayer de bridge le camouflage. Et tout de même, bien évidemment, de tout envoyer dans les armes. Ouais. Voilà, qui est mieux? Le bridge ne touche pas. On va attendre donc qu'il ressorte de camouflage. Le Zoltan va pouvoir réparer tranquille. Devrait le faire. Il charge tout son Albert, il va le balancer n'importe quoi, lol. Très bien. En vrai, hein, on peut se la jouer en mode kill tranche. Je crois que j'ai fait une brèche en plus, non? Il semble que j'ai fait une brèche. Brèche dans le pilotage, donc on ne peut plus le louper maintenant. Je pense qu'on va juste attendre tranquillement. On va attendre son cloak, on va le laisser cloquer. Ah, il me ramène quand même un petit bâtard. Ah, il fallait attendre le cloak, sinon c'était du gâchis. On va conserver notre bridge 2, vu que... il nous reste que 5 missiles. Tant qu'on a deux boucliers, le Albert ne passera pas. Et vu que c'est un ion blastin, ça sera pas assez rapide, donc c'est bon. La double récompense, peut-être. 2 missiles, 1 drone, 30 et 1 d'essence, 2 et 56. Nous avons 184 de scraps, ça fait du bien. Prochain secteur, c'est les NJ avec 3 magasins. Par pitié, un magasin. Par pitié, un magasin. Tellement magique. Je vais pas m'énerver. Je ne vais pas m'énerver. Merci donc. On en est où? Advanced City Relay pour les 3 ans. Iverson 123 pour Subprime. Samurai Joke. 5 ans.
et Paxience qui offre 1000 bitcoins. Joyeux anniversaire Dogeek. Bien joyeux anniversaire Dogeek, c'est le cas en effet. Et Siliu qui reçoit pour 6 ans. Salut Team FFCTV. On nous file pas le magasin, hein. Quelle vie de merde. Quelle vie de merde, faut bien l'avouer. Merci Siliu et Mister Piafou donc pour les resubs. Je pense que ça va très mal se passer. On va marquer une pause parce que ça fait une heure. J'ai besoin de me ressourcer. Petit doigt dans le fion. Et puis voilà. De l'ecstasy, ça je te l'interdis. Ok, donc. Eh bien, ça va être tendu. Il faudrait trouver un magasin. On a tellement de thunes. Il faut qu'on se répare, faut qu'on prenne de l'essence et éventuellement finaliser ce stuff afin qu'il soit bien, voire avoir un sous-système style mind control ou cloaking qui pourrait sauver ce run des enfers. Oui. Héros YouTube. Alors, merci Padrock pour les 14 ans. On y est. On a 3 d'essence. On arrive donc dans un secteur NG où il y a 3 magasins. En théorie. On a envie d'investir cette thune. Sûrement dans le cloaking. On a besoin de se réparer aussi. On va aller là, hein, on aura le plus de possibilités de choix derrière. On a besoin de trouver ce magasin et de risquer ce saut là, je pense. Ouais. Nous recevons un appel de détresse d'un vaisseau NJ proche. Assistance nécessaire, danger présent, destruction imminente. Possibilité de double récompense. On va évidemment y aller, même si on avait le choix de ne pas s'impliquer et de rester en vie. Mais là, si on récupère 120 scraps, par exemple... Évidemment. Alors... Nous recevons un autre message venant du vaisseau, cette fois-ci avec un mantis aux communications. Bande d'abrutis et de sacs à viande de merde, hurle-t-il. Les lanceurs indiquent que le vaisseau s'approche pour attaquer. Et en plus, on va avoir des... Oh là là, c'est des mantis. On va se taper 4 mantis. Est-ce qu'on est mort? Attendez, on a quoi? On a un pike beam en face, un burst laser 2 sur la gauche. On a du hacking qui va arriver. Et des drones. Je pense que ça pue la merde. Ok. J'ai pas mis mon anti-drone, je me fais hacker les armes. C'est qui? Un seul mantis, c'est toujours ça de prix. Par pitié. Non, vas-y, reste là. Reste là, je sais pas comment on va se démerder, mais on va se démerder. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je tue? Je sais pas. Faut que je fasse quelque chose en tout cas. Bridge, bridge, bouclier. Nice. Taper. Ah bah non, je me fais hacker les armes. Ah oui, il va falloir être au taquet sur les armes en plus. C'est chiant. Ils ont pas de TP derrière, c'est la seule bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle en vrai. Ok, cool. On va forcer là-dessus, même si faire tomber les drones c'est cool, on va forcer là-dessus. Ok. Ouais. Bridge. Bridge drone. Bridge drone. Ah putain. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est chiant un mantis, hein. C'est impressionnant, hein. Très bien. Les armes sont mortes d'elles-mêmes. On peut faire tomber le hacking au pire. Non, on va faire tomber le bouclier, on reste serein. Essayer d'économiser un bridge 2. Bon ouais, ils ont la clone bay, donc le mantis est revenu chez eux, mais il répare mal et il n'y a pas de TP, donc ça va pas être un souci particulier. C'est chiant de se faire hacker, mais bon. Sûrement la décision la plus sage pour survivre.
tant qu'on tamponne le bouclier, ça, ils seront occupés à faire ça. Voilà. Ça va être leur priorité absolue. On s'en sort bien. Ah bah le feu, ouais. Allez. Le feu avait eu raison du hacking. 3D100 syndrome, 59 de scraps qui se transforme en 64. Pas de double récompense, mais on est bien. Et pas de magasin. Pas de magasin. Ça alors. C'est terrible. On est censé en avoir des magasins. Quatrième bouclier, c'est cher, mais c'est une possibilité. Mais ça serait dommage de prendre le quatrième bouclier et d'éviter le cloak au magasin. On peut partir là-dessus et encore. On va être à l'économie, c'est peut-être une connerie, mais... Non, je pense que c'est le bon choix. Ça devrait tenir, j'espère, à détresse, on aura accès à de nouveau... Ouais, on va prendre le détresse quand même. C'est d'optimiser, tant bien que mal, 4 d'essence. 10 d'énergie. Nous arrivons vers une balise de détresse, une petite ceinture d'astéroïdes, un petit vaisseau qui galère à manœuvrer à travers le champ. On va leur offrir notre aide. Et grâce à mon drone de défense, je vais pouvoir protéger leur vaisseau gratuitement. Je perds un drone et j'ai une quête. Merde, j'aurais dû regarder la quête si c'était pour ça un magasin. On a un magasin. Oui. Merci Doudmougou et Taranis pour les resubs. Loose Green, 8 ans. J'ai mis 12 ans resub, mais ça n'a pas cassé ton streak. Bravo à toi, Tardonide. 2 ans Morshan Alpha, 2 ans Ouche, 29 BZH. 2 ans Padro, 14 ans. Merci. Ok. Le Burst Laser 1. Le Burst Laser 1. Double Bridge 2, lol. Burst Laser 2, Burst Laser 1, double Bridge 2, inutile. Inutile, by the way. Ok. Avant tout, détresse, ok. Bon, faut se réparer, faut de l'essence. Et ensuite... ah ouais, mais se réparer de l'essence, ça veut... Si je revends mon Scrap Recovery Arm, je peux peut-être réparer essence cloak. La boule magique. Ce qui sera sûrement le meilleur plan. Alors le hacking aussi, c'est très fort de hacker les boucliers, la bien entendu magique. Toujours. J'ai cloqué 1000 fois je pense. Merci Pomme88 et petite belette. Pour le prime Doud Mugu, Kirisub. Oui, j'ai le bridge missile, oui, paf, 32. Il est vrai, l'idiot. Le hacking. Ouais, mais le hacking, je vous le rappelle que on peut plus pose triche. Donc, oui. La boule magique. Ça, c'est sûr. Vraiment, le hack avec Bridge 2, je suis pas sûr. Mais j'ai pas tant de missiles. Je vais en avoir. Allez, c'est décidé. Ok. Il stresse. Le cloaking, en fait, il va être no brain en no pose, donc let's go. Nous arrivons à une station de recherche NG de soudure. Son appel de détresse n'a pas été... s'est retrouvé sans réponse, attaqué par des pirates ou des mantis, probablement. Il pourrait y avoir encore quelqu'un de vivant ou quelque chose de valeur. Sauver le NG, sauver le drone ou nous sauver. Alors, il y a possibilité que je meure, je crois. Sauver le NG, j'aimerais bien sauver le NG. Jax, mettre en moteur avec du scraps. Ok.
Ok, ok. De quoi délocaliser la Mintos TV, le réparateur, aux portes. Ah non, mais la Mintos, il est aux armes. Jax qu'on va envoyer. Non, Jax, c'est bien de l'avoir en électron libre en fait. Oui. Réparateur et bloque les portes. C'est robot chiotte, bien sûr. Merci Atlas. Comme 88, on avait dit. Merci. C'est chaud, hein. C'est quand même chaud. Alors, est-ce qu'on veut avancer? Est-ce qu'on veut rallier la quête le plus vite possible, peut-être? Dans des sens aussi. Faut qu'il se passe des trucs. Champ d'astéroïdes de merde. TP. Burst Laser 3. Descend. J'ai été gourmand, hein. Il me donnait pas mal de missiles et de drones, mais bon, là 51 de scraps, on est toujours content. On va remettre l'oxygène en ligne pour en avoir deux. Et du coup, on pourra s'occuper de cette brèche tranquillement. Hop, deux. On peut ouvrir les portes du coup. Avec deux d'oxygène, ça libère l'oxygène de la pièce sans contaminer les autres. Formidable. Être tendu quand même, hein. Pas d'essence, ça par contre c'est un peu catastrophique. Ah quoi que j'ai 3 d'essence, quel putain, YOLO man quoi, YOLO man. Il me propose un pot de vin, 3 d'essence, 2 missiles, 35, je vais l'accepter ce pot de vin. Je vais l'accepter. On a besoin d'essence et en plus on voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir. J'aimerais bien Mind Control. Merde, putain, je suis pas habitué à cette interface, nouvelle interface, incroyable. Faire en clocking peut-être. Bon, je sais pas ce que je fais. Ah. Pas de TP. Ça c'est bien ça. Est-ce qu'il essaie de s'en aller? Non. Ok, on est bien. C'est un bon combat. Faut juste que le drone de défense soit pas trop de la merde et au pire j'ai clocking. Ouais, on peut même être gourmand et essayer de conserver le bridge 2. J'ai vraiment de la malchance, les 4 touches là, les lasers, mais je pense qu'avec 45% d'esquive, voilà. Au bout d'un moment, il faut un peu gamble. D'accord. Vraiment, donc sereinement.
fait la brèche. Quoi les refoutre dans la merde? On est vraiment à l'économie, hein. C'est un peu con, mais bon. Et c'est pas de s'enfuir pour l'instant, ce qui est une bonne nouvelle. En vrai, je mettrais un bridge 2 dans le pilotage, ça réglerait beaucoup de problèmes. 3 d'essence, un drone, non, on va essayer d'avoir mieux. Puis là, on va commencer un peu à... Voilà, si j'envoie le laser là, c'est fini. En fait, non, ce qu'il faut que je fasse, c'est là, j'essaie de faire tomber le pilotage. Et le laser le termine. Quoi qu'il arrive. Pas d'essence, mais ouais, meilleur en scraps, 49 en tout. Ok. On va avancer vers... J'y crois à mort. Merci à Yorseiba pour le host. Merci beaucoup. Oui. Merci ma bite. Pour les 8 ans. Ok, donc oui, vous avez l'air d'être un vaisseau militaire. Nous essayons de retourner chez nous vivants. Je suis un ingénieur. Et pourrait vous aider à améliorer votre réacteur si vous avez des marchandises supplémentaires. Donc en gros, lui donner 2 missiles et 3 drones pour gagner un de réacteur. Ce qui est au niveau de ce que ça me coûte maintenant, 35 ou 40. Ça reste un bon deal, mais on a peu de chaque. Ensuite, on va... Ouais, il faudrait passer par des stations de réparation, mais ça dépend intégralement du layout du dernier secteur. Fuck. Merci Grim Gorazag pour le resum. C'est cher, hein. Enfin si on en avait à outrance, ça serait bien. Mais là, c'est un petit peu la merde. Et je pense que je vais refuser parce que pour l'instant j'ai pas besoin de cette énergie supplémentaire. Ok, on a une quête ici. En vrai, ouais, faut que je passe par là d'abord. Si je veux faire un maximum de sauts, on va gratter. On va peut-être trouver un magasin d'ailleurs. Ah oui, alors attention, ne pas se faire avoir ici. Un vaisseau NJ dans notre proximité nous voit. Eh bien oui, sauter, armé jusqu'aux dents. Et nous envoie tout de suite un message radio. Oui, but du sujet, la richesse, la motivation des NJ, la survie. Est-ce que le transfert de biens est acceptable? En gros, on peut leur expliquer qu'on est des amis. Nous sommes amicaux. Ils vont dire, ouais, super, lol. Mais sinon, bien évidemment, on leur dit, oui, d'accord, nous acceptons. Oui, c'est ça. Donnez-nous votre pognon. Nous vous laissons tranquille. Donc c'est chose faite. 3 d'essence, un drone part et 77 de scrap qui deviennent 84 avec le scrap recovery arm. Jesus Christ the Lord. Alors est-ce que la quête c'était un sauvetage de magasin? Ça serait bien. On va tout garder. On va tout garder. S'il y a un petit magasin là. C'est vrai qu'en normal, ça crache du scrap. Hein. Nous arrivons à un secteur pour voir un petit poste d'avant-garde être bombardé par un drone, par un vaisseau automatique. Ceci doit être la base de la Fédération dont on te parlait. On a du hacking. Est-ce que je vais avoir le temps? 5-6. 5-6 pour balancer mon anti-drone. Donc je fais 1, j'enlève 1 en oxygène et je fais 5-6. Ok, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses. Brèche bouclier. Brèche pilotage est fort aussi. Hein. Brèche pilotage, ouais. La bombe dans les drones. Enculard. Brèche pilotage. Les armes. Même si j'ai cloaking, en vrai, j'aurais pu cloquer. D'ailleurs, vas-y, répare ça. Cloque. On attend. Ouais, on va faire ça. Voilà. Je sais pas si ça... Je pense pas qu'on ait fait de la brèche. Fais voir, d'ailleurs. Est-ce qu'on a une brèche? Non, on n'a pas de brèche sur les armes. Pas grave. Le
fait d'avoir le pilotage à zéro, c'est divin. L'appareil, le bouclier, peut plus régène. On est Kiltran. Oui. Double récompense à venir de qualité, j'imagine. La cure sérénité. Ok. Alors. 3 d'essence, un drone, 27 de scrap, into, un Zoltan bon en shield, 27 scrap et une stun bomb de merde. C'est parfait. Les deux Zoltans au bouclier, bien sûr, pour avoir, eh bien oui, un bouclier qui tiendra quoi qu'il arrive. C'est formidable. C'est légumarde. Merci Paxience qui offre un sub à Karabaf. Merci beaucoup. Et Mr. Templars One, 62, 4 ans de sub déjà. Lulucu, 4 ans également. Grimgorazag, on avait dit, je crois, 5 ans. Ok. Ça passe, hein. Il faut que je sois absolument sûr que ça passe, sinon je vais être en PLS. Est-ce que j'ai le droit de faire un saut? J'ai absolument pas envie de dive. Hein. Quoique j'ai un cloak. Ah, j'ai cloak. Mais j'ai pas envie de dive quand même. Hein. Je pense que ça passe, ouais. Alors on peut toujours espérer de chatter un magasin au dernier secteur, mais on va peut-être devoir s'intéresser à tout simplement investir cette stun bomb qui est si minable. Est-ce qu'on veut vraiment l'utiliser? Dommage de Yon, mais un, ça stun les mecs à l'intérieur, c'est sympathique pour tanker un bouclier avec le breach. Mais on n'a pas énormément de missiles, donc on n'a pas vraiment envie de mettre ça en ligne en vrai. Soit ça passe pas très peu, ouais, il y a une possibilité que ça passe pas. Hein. Mais je pense, ouais, non, en effet, ça doit plus pencher vers ça passe. On peut mettre le quatrième bouclier en ligne aussi, bien sûr. Je pense que c'est une décision qu'on va prendre. Après. Ok. TP à venir, oh là 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 là, TP double mantis, on n'est pas content. Ah merde, on n'aura pas la bridge dans la TP que j'espérais tant. Oh là là, oh là 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 là, oh là là, quel merde. C'est une mauvaise idée. Eh bien, faut les occuper tout de suite. Ok, cool. Putain, on a sauvé l'oxygène in extremis. Qu'est-ce qu'ils me font? Parce que j'avais pas réouvert. Oh le connard. Oh le connard. Oh là, putain, arrête les brèches automatiques, arrête tout. Ok, on en est où? Ça va. Feu divin, défense drone, merci. Ok. Putain, et le NJ qui a survécu, quoi. Je suis dingue. Les mantis sont sur le point de mourir, ils vont jamais à... Préparer à temps, rebrèche, merci drone de défense, Mantis qui vient faire chier, on va vastement l'ignorer. Bon, on va envoyer tout le monde là à la limite. Du niveau en baston, très bien. Oh putain! Ah non, j'ai cru qu'on avait tué tout l'équipage, mais non. Ah oui, ils ont une clone belle, hein. Cassez-y. Moult ressources, très bien.
Tout le monde est sain et sauf. Ah non, mais il y avait la clone bay, donc tuer l'équipage, là on oppose, et sans TP, et sans race militaire. Oui, bon. Chiant, quoi. Ok, 282, on est content, la sortie ça passe, bravo. Bravo à vous. On pourrait prendre le repère 5. On va se faire réparer de 10 automatiquement en arrivant au secteur 8. Ensuite, si on passe par une station de réparation, on sera réparé également. Je vais faire le connard. Et je vais garder mon argent. Et on va évaluer, réévaluer tout ça au last stand. Nous y sommes. 10 d'essence, 10 de réparation. Ok, il y a deux repairs près de la base, donc on a plus ou moins fait le bon choix. Ça serait bien de piffer un magasin. Le repair ne communique pas avec l'autre. Le flagship est ici et pour l'instant ne saute pas, préparera un saut ici. Mais au prochain tour, on peut éventuellement tenter le triple repair, voire chatter un magasin sur le chemin. Ça peut partir en couille hein, si les secteurs se font prendre. Ok, un nombre conséquent de vaisseaux de marchandises sont poursuivis par par des bombardiers rebelles. Un bombardier a réussi à passer à travers le feu défensif et va foutre le bordel sur les nombreux et vulnérables vaisseaux de marchandises. Nous avons le temps éventuellement de tenter l'aventure et de l'éliminer. Merci Sventuras pour le sub. Allons-y, hein. On a Albert Beam et Shane Laser. Hacking, incoming. Ok, donc je vais mettre 5 et 6. Back. Hack de pilotage, c'est le pire. 4 boucliers. C'est bien dégueulasse. C'est bien dégueulasse. J'avais pas besoin de mettre tous ces drones, j'ai pété un plomb. Hein. Quoi? Ah si! Ah il m'a mis. Oh non, ils ont un truc de. Putain, ok, les drones. Bonne chose de faite. Au secours. Ok. Cloak si besoin, mais pas maintenant. C'est super chiant. On va spammer du bridge. Voilà, c'est bien, ils vont mourir, les drones c'est fini, ils pourront jamais s'en occuper, il y a la clone base cependant. Bouclier. Avec une brèche, c'est magnifique. Ok, faut tamponner le bouclier bien sûr. Et plus d'oxygène et le feu. Donc le bouclier, on est bien, hein, on est bien sur le bouclier, voilà, la clone base. Cependant, putain, j'avais pas vu que ça passait quand même, les bâtards. Quatre missiles, faut que je me calme. Hein. D'accord, c'est en train de se bastonner là-bas. Ok, faut que ça cesse. Ok, c'est bon. Il n'y a plus d'oxygène ici, bougez du coup. J'ai utilisé beaucoup de ressources. Hein. Beaucoup trop. D'ailleurs. Et forcément avec le pilotage, je suis con le hack. Allez, au revoir. Ok, 2 d'essence, un drone, 51 de scrap. Les victimes des survivants? Qui me répare? Très bien. Pas de magasin, on va avancer vers la réparation. Peut-être qu'il y a un magasin là, hein? Qui sait? Réparation, donc ce qui va me permettre de récupérer des missiles, tant mieux. Okay. Bon, oxygène. Réparer l'oxygène pour réparer la medbay sans en prendre plein de fion et soigner ceux qui ont besoin de l'être, en l'occurrence les Zoltans. Thank you.
J'aurais bien aimé un mind control. Hein. Oh le magasin. Oh le magasin de ses morts. Le magasin de ses morts. Le magasin de ses morts. Magasin de ses morts. Magasin de ses morts. Magasin de ses morts. Merci Linguistique. Ah oui. 3 ans. Bonsoir. Mitsu, 2 ans. Merci. Othello, 1. 8 ans. Merci beaucoup. Ziggyflex K Prime également. Ok. La backup batterie. La clone bear. Le mind control. La bombe à ion. La bombe à ion, c'est pas mal. Copain du web. Qui nous host pour 20 viewers. Merci beaucoup. Copain du web. Pour le host. Ok. Le scrap recovery arm, on peut le revendre maintenant. C'est plus tabou. Même si ça se trouve, il nous ferait gagner plus que 25 d'ici la fin du jeu. Quoique non, 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 en fait non, jamais. Donc ouais, on va revendre ça. Ok. Donc 329 scraps. Bridge 2, j'ai déjà. Je vais vendre ma stun bomb. Car à la limite, si je prends une deuxième bombe, ça serait la ion bombe, c'est sûr. Donc je suis un petit peu tristounet de pas avoir de burst laser 2. On a le hull laser 2, mais le hull laser 2, c'est celui qu'on a déjà et il utilise 3. Alors ensuite, on a toujours la possibilité de passer en stuff 8 en armes en mettant burst laser 2, hull laser 2, hull laser 2. Pour éventuellement tenter de surdéfoncer la coque. Parce que 6 tirs de laser 2 dans des salles vides, ça fait 12 de dégâts. Ça pourrait passer avec un premier tour à bridge 2 et ensuite du laser. Page 2, la deuxième page. Oui, non mais... Ah oui. Voilà, vous avez ça. Ah, le Zoltan Shield Bypass. Pour envoyer des bombes à travers. Ah, et l'automatic reloader. Oh. Et des humains nuls. Alors les humains nuls, c'est nul, mais c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. Ok. Eh ben, c'est pas dingue, en vrai. Alors, on pourrait prendre la batterie, quoique là, j'aurais aucun problème d'énergie, je pense. Le problème de la batterie, c'est que c'est fort, mais c'est quelque chose, typiquement, quand c'est le feu, qu'on oublie totalement quand on est en oppose. On peut décider de partir sur la clone, mais même si c'est un peu tard, mais ça évite d'avoir à... Arrête à soigner les gens en temps réel. Mind control, on va le prendre, je pense. Donc là, ça fait 125 si on décide de prendre tout ça. Le bypass, il est pas mal pour passer les bridge 2 sur le bouclier dès le début. Le laser 2, c'est pas mal. Il est maître en arme, lui, c'est vrai. On a qui en arme là? On a la Mintos TV. Ah oui, qui est pas encore expérimenté en vrai. Les deux missiles aussi. Mais on va avoir des... Si on a le triple repair des missiles, il va pas nous en manquer. Hein. J'en peux plus, ça y est, je vais péter les plombs. Alors si je prends le laser 2, il va falloir que j'investisse dans le dernier point en arme qui coûte 120, hein, me semble-t-il. 100. Ma vie c'est la merde, Il y a l'automated reloader, il y a le Zoltan Shield Bypass, finalement on peut tout acheter, hein. C'est très saussant. La clone baisse, ça peut être une assurance vie parce que dès qu'on va avoir un boarding drone ou autre chose, on va être en panique absolue. Mais pourquoi pas. J'ai tellement de scraps, pardon. Deuxième laser 2 et glamour. Avec un humain maître en arme plus l'automated reloader, ça prendrait pas 30 temps que ça. Merci Linguistique. J'abandonne, achète tout. Mytho, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord.
Tu es un humain nul, non, tu es un humain formidable. La boule magique. Ok, on va prendre lui. Lion Bomb, non, Lion Bomb c'est fort, mais Bridge 2 va faire le taf intégral. Ensuite, on peut être super greedy et prendre Lion Bomb, mais ça m'a coûté cher. Le Laser 2, c'est ouf en vrai. Hein. Mais du coup, ouais, faut quand même garder le Bridge 2. Mais si on n'a pas le Zoltan Shield Bypass, c'est presque du gâchis. Ma vie, c'est de la merde. Quel est ce nouvel humain ? Incroyable, c'est le touriste un petit peu. Hein. Voilà. Qui c'est qui d'ailleurs ? Affected qui offre un Sabaru Boshiot, incroyable. Les Uria qui prennent, Maminova 75, merci. Et donc là, on glande, on met du temps, on met 1000 ans, on est lent, mais c'est terrible. Incroyable. C'était Odule, bien sûr. Théodule, le touriste. Alors, Théodule, du coup, qui va aux armes, vu qu'il est maître. On remercie la Mythos TV qui ira aux caméras. Des bisous, Romain. Hop. D'accord. Donc, il me reste 230 à investir. Alors, on avait dit Clone Bay, peut-être. Le Zoltan Shield Bypass, oui. Oh là là, quelle histoire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce Laser 2? Il y a moyen de faire un carnage assez conséquent. Il va me manquer de l'énergie que j'aurai avec cette batterie de ses morts que j'oublierai tout le temps d'utiliser. Alors si je prends le Reloader, oui, mais alors à ce moment-là, je veux prendre la Clone Bay aussi. Du coup, est-ce qu'on accepte ? Quoique. Parce que je suis pas obligé de le mettre tout de suite, ce troisième point en arme. Enfin, ce dernier point en arme. On peut faire ce saut à venir. Mais donc, est-ce que j'enlève, est-ce que je dis fuck au Zoltan Bypass ou je le prends aussi? Mais qui me servira à ce moment-là que pour le Bridge 2 si je décide de l'utiliser. Pas de revendre, mais j'ai un à revendre là. Le Bridge 2, je le garde. Allez, go. Ok. Pas de TP. Bridge, dual laser. Casser la gueule. Par contre, ouais, il faut qu'il se passe des trucs là. Il faut qu'il se passe des trucs genre 5-6. Ok. Après, mind control pour l'instant c'est pas nécessaire. On fait les shows. Ouais, pour l'instant on fait les shows. On attend que ça tire une fois. Pour l'instant ça tank, ça tank, ça tank, ça tank, ça tank. Ok, bridge de non, on garde encore. Burst laser. Là ça tire, j'attends que le troisième tir et là je cloque. Ok, on se calme avec les autofire. Bridge bouclier, ça passe pas. Burst arm, je sais pas. Ok,
ok, ça devrait le faire pour les boucliers de ses morts. Je retente un bridge bouclier. Merci, et là j'envoie. Ok, je peux faire un mind control. J'ai oublié de faire un mind control, faisons un mind control. Hop. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi j'ai pas balancé le hull? Je ne sais pas. Ok, on est bien. Non. Bon, espérons que les repairs, j'ai le temps de les farmer parce que là j'ai utilisé beaucoup de missiles, bien sûr. Un contrôle pilote, ouais, c'est le feu. Ok, cool. Beaucoup d'argent. Repair. Ah, le repair est pris là. Oh, on va avoir deux repairs, je pense. Donc 10 missiles tout de même. Ah non, 8. Peut-être pas besoin de prendre ce repair là, ouais, je vais plutôt jouer la base. Et on verra après. Donc, ok. J'ai pas pris la batterie hein, comme un con, donc j'ai besoin de cette énergie. Si je prends cette énergie, j'en ai pour 105. Sauf si la dernière est à 40, non, je prends 105. Et je peux prendre le dernier point en arme, mais j'ai pas de mètre d'augmenté, super. Repair maintenant, c'est-à-dire qu'on on risque le mauvais hacking et on risque de pas pouvoir se soigner après la première phase. Ok, alors. Incroyable. Dac, paf. Buffer drone peut-être. Quatrième bouclier, c'est plus d'actualité. Peut-être un point en esquive, mais là non plus, c'est pas nécessaire, c'est l'énergie hein, dont on va avoir besoin, c'est sûr. Ça c'est fait. Bon, allez, je vais prendre le repair, mais je pense que c'est une connerie. Sans nom, je sais pas pourquoi je vous écoute. Ok, très bien. Alors. Ah oui, quoi qu'il arrive à la base, donc oui, d'accord, mais ça aurait été bien d'avoir cette possibilité de se réparer à un moment. Il me manque un pour le mind control. On va le prendre quand même. Me faire en drone. Putain, mettre BA1, c'est suicide. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça passera peut-être. C'est ce qu'on va se dire. Dans un premier temps, breach. Breach dans le pilotage pour essayer de foutre un merdier incommensurable par la suite. Sûrement. Peut-être. On va même faire ça. Peut-être pas. On peut encore farmer. On peut toujours farmer. Hein. On va faire ça et on verra où partir à l'autre. S'il y a moyen de farmer, on farmera. Allez, c'est parti. Merci Tos, Sorage pour le Prime. Supraneo Dim pour les 29 ans. Ichigo pour le Prime. Et désolé YouTube, hein, parce que là on a passé 8 ans hein, sur ce magasin à réfléchir, évidemment, mais c'est pas évident, hein, beaucoup de pression, connard. Est-ce que j'ai besoin d'un anti-drone sur la phase 1? Rien n'est moins sûr, en même temps j'ai 26 drones parts, merde. Ah si, il y a le hacking. Le hacking de qualité qui va aller dans le pilotage, bien sûr. On va voir combien de temps on va réussir à tenir. Ah oui, on peut mind control le pilote aussi, ça serait intéressant. Donc du coup, si je mind control le pilote, plutôt défoncer le shield, bien entendu. Ok. Let's go. J'aurais pu cloquer là, je l'ai pas fait. Breach shit. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal la double brèche. Le hacking des boucliers, c'est le pire truc qui pouvait m'arriver de la vie. Adieu, Yuri. Ok, j'ai mal. Je suis pas passé sur le laser, bah tant mieux finalement. Ok, j'ai mal. Ok, bon, mais non, j'aurais pu le tuer avec le laser, je suis trop un connard. Cloque trop tard. Là, on va le tuer tout de suite, ça suffit. Attaque. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est la merde, mais c'est gérable.
J'ai jamais Roman Control, by the way. Ah, j'ai mal quand même, hein. J'ai mal. Voilà, la réparation nous manque un peu. Il est vrai. La réparation nous manque un peu. Voilà, voilà pourquoi je voulais garder la réparation. By the way. Voilà pourquoi je voulais garder la réparation. Alors, c'est pas grave. La boule magique. Je vais tuer le mec en lance-missile. Écoutez, c'est la première partie en oppose sans avoir joué depuis des mois. On a fait ce qu'on a pu. Merci à Zendras pour le sub et Corsair Albatter pour les 6 ans. Incroyable. Merci à toi. Ok, paf. Quelle ambiance, 25. Trop cher. Trop cher. Alors, c'est même pas worth d'aller là. Du coup, on attend. Ça nous permet de laisser nos drones de sortie. Alors, est-ce qu'on veut encore brèche 2? Oui. Même si c'est très important aussi de défoncer les drones, le boarding drone, tout ça. Bon, on va espérer une bonne réactivité de nos amis, les drones de défense et anti-drones. Putain, le hacking des shields, c'était pas cool hein, quand même. J'aurais pu m'en aller. Bref. Mais bon, il n'y a pas de clocking, donc c'est toujours ça de prix. Très bien. Je m'accroche à la vie. Sale ambiance. Ouais, je sais bien que c'est la merde. Ok. J'aurais pu y penser avant. On va essayer de faire tomber une lance-missile, please. Merci. Je m'accroche à la vie. Mais pourquoi je fais ça là alors qu'il faut que je l'envoie dans les salles vides? Je me déteste. J'en reste auto-fire. Commence à me les courir dessus. Donc, auto-fire, on l'enlève. Ok, tac. Oh, il y a eu beaucoup de morts. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je m'accroche à la vie. Supportable. Ok. Merci Mstuka pour les 9 ans. Oui. Oui. Donc là, c'est là où on va se faire poursuivre par des petits plaisantins. Il faut mettre le mind control à 1, vu qu'il va juste servir en défense. J'avais pris le Zoltan Bypass. Non. Très bien. Ah, j'avais rien pris en fait. Si, le Reloader. Et donc, ça va être de la survie. J'ai 11 missiles. Tout va bien de ce côté-là. Ah oui, alors sans le Zoltan Bypass, du coup, on va plus partir sur le laser. Ouais. Ouais. Bien. Le reloader diminue de 10% le temps de chargement des armes entre chaque volet. Ok. Ah oui, alors faut que je démine contrôle en direct, donc il y a des moments où je vais perdre en fait du temps. Ah putain, c'est chiant. On envoie tout comme ça, hein. Faire au mieux. Je m'accroche à la vie. Ok, qui va mourir? Tout le monde à peu près, hein. Ok, non, c'est bon. Cloak. Je suis plus en auto-fire, je me déteste. Démine control toi. Ok. Tout le monde à son poste, s'il vous plaît. Je remets l'auto-fire. Ok, c'est bon. J'ai pas remis le bridge. Ok, on va le tenter comme as.
Tac, tac, tac. Pas mal. Tout le monde à son poste, oui. Ok, le mind control va revenir. Attention, si c'est sur le pilote, je suis dans la merde. J'ai le cloak maintenant. Des mind control, toi. Ok, je m'approche à la ville et lance missile. Voilà, les brèches partout, le feu. Il n'y a plus qu'un mec, ça va. On a gagné, d'accord. Parce que le laser dans les salles vides, ça fait super bobo. Merci à tous. Putain, quelle belle première partie. Quelle belle soirée. Merci Kirgate pour le host. Quelle belle soirée. Bravo MVTV 2.0 et son équipage, Julien, Thierry, le chat, le chat, Mabit, Mintos, Robo Chiotte, Leguman et Théodule. Ah, c'est beaucoup d'émotions, hein. C'est beaucoup d'émotions, hein. Même si on est qu'en normal, mais en oppo, c'est des émotions. Merci Kirgate pour le host, donc oui, je l'ai dit. Merci Kenny44, 25 ans, la boule magique, Cédra007, 5 ans. Oui. Merci, bravo. On a eu chaud. Ça y est, 1h du mat. Il est 1h du mat. Ça fait quoi comme score? Ah oui, ça fait des petits scores en normal par rapport au hard, n'est-ce pas? 4300, oui. Score anecdotique. Derrière la misère sexuelle qui avait gagné en hard. Incroyable. Et ben voilà, c'est rigolo. Des bisous YouTube, j'espère que tu as apprécié de redécouvrir des vidéos de FTL qui durent 4 heures, et où on se fait chier une demi-heure dans des magasins. Au revoir. Mets la cloche.